on en connaît des coups, j'ai avancé, je me laissais emporter. Et à un moment, je ne sais pas comment. Qu'est-ce que vous avez fait de job ce premier quand vous l'avez transformé? De quoi? Mais est-ce que vous avez vu ce que vous avez fait? 22h, les protagonistes vont commencer le cours. Comment vous l'avez transformé? Bon, tu peux commencer, Nathan, je te dirai qu'on fait la salle. Non, on a commencé à faire des pires sommes dans les tueries, parce qu'il y a des mecs qui ont payé, tout ça, ils ont payé l'essence, alors si d'un coup je vous dis, bureau de pub, bah, bon immeuble, ça c'est le seul qui paye l'essence. Mes amis, bonsoir. Bezrat Hachem, on va essayer de parler un peu de Torah. On va continuer, Bezrat Hachem, notre étude habituelle, Tzichot Aran 135, Bezrat Hachem Itbarach, une sikha exceptionnelle. Comme toutes les sirotes. Ce soir, on va apprendre quelque chose qui a accompagné Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev depuis tout petit jusqu'à la fin de ses jours. Mamash depuis tout petit. Quand Rabbi Nachman de Breslev avait 8 ans, il a écrit une Torah. La Torah, elle est mentionnée dans le Chaim Moharan, mot à mot, qui parle là-bas de le soupir. Le soupir. C'est quoi le soupir? Oi! Quand on crie oi! Ce soir, on va en parler de ça. Et à la fin, quand Rabbeinu est parti de ce monde, il a aussi continué à parler du soupir. On voit que cette chose-là a accompagné Rabbi Nachman de Breslev depuis tout petit. Le inyan du soupir, c'est quelque chose que on a tendance à croire que c'est quelque chose de très simple, très rien de spécial. Mais Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, si je vous dévoile réellement tout ce qui se passe quand un homme y soupire pour une bonne raison, il n'y aura plus de libre arbitre. Si on y croit vraiment. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas. On a trop tendance à penser à croire que pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour se rapprocher de Dieu, il faut faire des choses qui sont dures et difficiles. Mais c'est faux. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, celui qui croit qu'il faut faire des choses difficiles, eh bien c'est un homme qui n'a pas d'émouna. Il n'a pas la émouna qu'on peut servir à Kadosh Baruch Hu avec tout. La plus grande preuve de ça, c'est quand on est sorti d'Égypte, on était proche de Dieu. Akadosh Baruch Hu nous a aimés pour aucun mérite. Il nous a aimés sans aucune condition. Rien du tout. Le soir de Pessah, il a ouvert les cieux, il a dit, vous êtes mon peuple et vous allez sortir d'Égypte. Les anges, ils ont dit, ce sont des Ovdei Avodah Zarah, et eux, c'est des Ovdei Avodah Zarah. Il n'y a aucune différence entre les Égyptiens et les Juifs. Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est mon peuple. D'accord? Où est la différence? Il n'y a pas de différence. Eux, je les aime. Point barre. Ne rentrez pas dans des... Akadosh Baruch Hu nous a aimés, nous a adorés. Pendant 400 ans, on a souffert le martyr. Et les 80 dernières années, ils ont été les plus dures possibles. Les enfants pharaons se trempaient dans des bains de sang d'enfants, tous les matins. Et c'était très 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 grave. Imaginez-vous avec une période pareille de souffrance, un beau jour, Akadosh Baruch Hu nous délivre. 400 ans, vous savez ce que c'est 400 ans? C'est pas une période. 400 ans, c'est des vies et des vies, c'est-à-dire, c'est une nostalgie, c'est-à-dire, c'est presque qu'on a oublié ce que c'était allé avant. Qu'est-ce qui se passe quand Akadosh Baruch Hu nous délivre le lendemain? On est sorti le soir même. Le lendemain, on se retrouve en dehors des portes, on est libre à nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? On tombe amoureux de Hachem. On veut connaître ce qu'est Hachem. On veut savoir, on veut apprendre. On veut le servir. On veut être fidèle. On veut être le plus possible proche de Hachem. On n'attend qu'une seule chose, c'est quoi? C'est que Dieu nous donne des instructions comment le servir. Et qu'est-ce qu'il nous dit Hachem? Vous faites rien.
pendant 40 jours, vous allez vous languir de moi. Mais on veut te servir, Hachem. On veut faire des grandes choses pour toi. On veut se rouler dans la neige, dans les pics. On veut tout faire pour toi. Hachem, il dit, moi, je veux rien. Je veux rien du tout. Je veux qu'une seule chose. Languissez-vous de moi. Ayez de la... Comment on appelle ça? Quand t'attends, quand t'es... des languissements ardents. D'être un homme qui est allumé. Allumé. On doit être fou d'attente. Et de là vient le comptage du Homer. Il n'y a qu'une seule chose. Juste languissez-vous. Pas Torah, pas mitzvot, rien du tout. Plus que ça. Il dit à Hachem, si vous allez vous languir vraiment comme il faut de moi, si vous allez bien mettre tous les jours penser à moi, tous les jours m'aimer, m'espérer, d'être... Si vraiment vous allez vous conduire de cette manière-là, alors là, je vais vous donner le plus grand cadeau qui puisse exister. Le mont Sinaï, la Torah. Et le peuple juif a réussi. Pendant 40 jours, c'est aujourd'hui comme aujourd'hui. Au lieu d'appliquer Torah aux mitzvot comme nous on croit, parce qu'on croit que c'est que par la Torah et les mitzvot qu'on peut appliquer la Torah, la Kadosh Baruch Hu dit non, fils, non. Il y a les 613 mitzvot, il y a la Torah, oui. Mais il y a beaucoup plus que ça. Ça, c'est la base de la base, la Torah. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a la neshama de la Torah. Il y a la vitalité. Il y a la pulsion. Il y a le feu. Il y a la vitalité qui est électricité, électrique. Il y a l'amour. Quand un homme, il est amoureux. Quand il est obsédé. Transporté. Comme il dit dans la Torah, c'est écrit « Fou d'amour ». Le Rambam, il pose la question. C'est quoi la mesure de la crainte et de l'amour? Vous savez, il y a deux mitzvot. Il y a la crainte, il faut craindre Dieu, et il y a l'amour. D'accord? Dans chaque mitzvah, il y a des limites. Il y a comment ça commence, comment ça se termine, combien il faut, combien il ne faut pas. Alors il dit, « Maï guidra shela avat Hashem. » C'est quoi la mesure de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Deux mots. Fou d'amour. Jusqu'à que tu deviens fou. C'est une halakha, mes amis, hein? C'est pas un livre de Moussa. C'est une halakha. Pas un livre de Moussa. C'est un ordonnement. Tu dois aimer Dieu jusqu'à que tu deviens fou, mon frère. Fou d'amour. Fou d'amour. Fou d'amour. Moi, je dis sous. Sous. Qui c'est qui arrive à cette madrigal? Qui? Quand les chassidés de Breslev, ils sont dehors et ils chantent et ils dansent dans la rue, pour moi, c'est un fou d'amour, ça. Nous, on voit toujours des niveaux très élevés. Simple. Simple. Quand tu fais quelque chose pour Hachem, et que quelqu'un qui n'est pas dans le système, il dit, mais il est fou ce mec ou quoi? Voilà. T'es fou d'amour pour Dieu. C'est ça, aussi simple que ça. Tu comprends? C'est ça. Quand tu fais quelque chose pour Hachem, et qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit, mais t'es fou. Quand tu étudies un peu plus que normal, et tes parents ou tes copains, ils disent, mais oh, t'es devenu fou quoi. Tiens, ça va, un petit peu, il faut étudier, va travailler. Voilà. T'es fou pour Hachem. Et plus encore tu fais, plus encore c'est meilleur. De faire des choses pour Hachem de folie, qu'aujourd'hui on prend ça pour une folie. C'est ça l'amour de Dieu. Ça veut dire que des fois, c'est pas d'Afka en appliquant d'Afka la Torah. C'est toute la journée en étant comme c'est comme par exemple quelqu'un, il est amoureux de sa femme. Il est amoureux de sa femme, il est loin de sa femme, il est amoureux d'elle, il parle que de elle, il pense qu'à elle. Tout ce qu'il fait, c'est pour elle. Nous, on doit être comme ça avec Hachem. Comme ce que malheureusement, on le fait pour l'argent, parce qu'on est sous de l'argent. On est sous des tavot. Ça nous parle, ça nous met de la vie. On peut être rabaissé, et d'un coup, on te parle d'un truc, d'un nouveau film, ou alors d'un je sais pas quoi. D'un coup, ça te remet l'étincelle. D'un coup, tu repars sur ton 37, tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi comme ça aussi vite? Il y a la même chose dans la spiritualité. Dans la spiritualité, il y a exactement la même chose. Il y a des possibilités de pouvoir repartir d'une manière que tu recommences à servir Akadosh Baruch Hu comme si c'est la première fois que tu mets les tef le matin. Tu retombes amoureux d'Akadosh Baruch Hu. Il faut tout revivre, tout recommencer. Le seul travail dans notre période aujourd'hui, de Pessah jusqu'à Shavuot aujourd'hui, maintenant,
Akadosh Baruch Hu ne te demande pas d'être la perfection dans l'application de la Torah et les mitzvot. Là, on est dans un niveau de languissement. Sfirata Omer. Languissez-vous de moi. On ne peut pas apprécier quelque chose si on ne languit pas. C'est une règle physique qu'Akadosh Baruch Hu a créée, qu'en fonction de la volonté, comme ça on a le kiff. C'est une règle. En fonction de la volonté, comme ça tu arrives à ressentir la chose. Ça veut dire, si on donne une femme à un homme et qu'il se marie sans trop vouloir, il ne va pas kiffer sa vie. Par contre, si la personne, pendant 10 ans, il a attendu de se marier, pendant 10 ans, il a attendu, cet homme-là, il va apprécier son mariage et sa femme autrement. Donc c'est tout en fonction de combien tu as voulu. On ne pouvait pas recevoir la Torah du jour au lendemain. Il faut que tu te languis après quelque chose. Il faut que tu veuilles, il faut que tu ressens le mal. Le fait est que tu veux remercier quelqu'un, tu veux remercier Hachem. Tu veux l'aimer, tu veux t'approcher de lui, tu veux être proche de lui, tu veux être sous de Dieu. Tu veux être trop proche de lui, mais tu ne sais pas comment le servir. Avraham Avinu, pendant 40 ans, il était fou. Il voulait savoir comment servir Hachem, il n'arrivait pas à servir Hachem. Il ne savait pas comment le servir. 43 ans d'attente, Avraham Avinu. 43 ans, vous savez ce que c'est 43 ans d'attente? Ça n'existe pas depuis la création du monde, un mec qui a attendu 43 ans pour une chose. Avraham Avinu, il a attendu. Il a attendu le jour où Dieu lui dit « Sacrifie ton fils, ton seul fils ». Et Avraham Avinu, il est parti, il s'est levé le matin de bonne heure, il a dit « Yitzhak, lève-toi tout de suite ». Mon premier commandement que Dieu m'a demandé, c'est toi de te sacrifier. Je vais le faire avec la plus grande volonté. Et c'est ce qu'il a fait. Nous tous, dans notre vie, on est obligés de passer dans des endroits pareils. Et on a cette opportunité, ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. On a des fois des sensations de volonté, de pouvoir essayer de sacrifier un tout petit peu pour Dieu. Parce qu'on l'aime, Akadosh Baruch Hu. On veut essayer de faire quelque chose pour lui. Malheureusement, on n'arrive pas trop à appliquer la Torah et les mitzvot, c'est difficile. Mais il y a des choses qu'on veut, oui, faire, des choses qui vont nous transporter de cette particelle de ce monde qui nous attire vers trop de choses qui sont matérielles. Et malheureusement, comme je le dis, je le répète, ce monde-ci, c'est comme un train, c'est un TGV, c'est plus que ça. C'est un tourbillon d'air. Comment ça s'appelle quand il y a le... tornade. Un tornade. D'accord, quand il y a une tornade, mais pas juste une petite tornade, un petit rond. Je parle d'une vraie tornade où le monde en entier, il tourne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le monde, il tourne d'une vitesse qui est énorme. Et on fait pas du tout attention à ça. D'accord ? On ressent pas. On ressent rien du tout. Alors les physiciens, ils vont te dire... des drachotes jusqu'à demain, pourquoi tu ne le ressens pas? Et moi, je vais dire pourquoi tu ne le ressens pas. Tu ne le ressens pas pour la simple raison que toi-même, tu es emporté par le Yetzer Hara qui t'embauche. Et tout le travail du Yetzer Hara, c'est de te rester zen malgré, soi-disant, la tourbillade. Ça veut dire quoi? Hein? Le tourbillon. Le tourbillon. Ça veut dire quoi? Le travail du Yetzer Hara, c'est de te faire comprendre que tu n'es pas à la bourre. Le blilachatz, comme on dit. Que l'honora. T'as le temps, mon fils, t'as le temps, ne t'inquiète pas, doucement, l'athlète. Pourquoi blilachatz? L'athlète. Ah, ben nous, il a dit l'athlète. Non, d'accord. Non, mais je parle de quand, pour réfléchir à ton matzav de la Neshama. D'accord? Non, donc quand tu regardes ta Neshama et tu te dis, bon, Bezrat Hashem, ça va, Bezrat Hashem, ça va aller. L'athlète, si tu fais quelque chose, mais doucement, doucement. Là, je te parle du monsieur qui dit, bon, ça va, demain. Après-demain. C'est ça, c'est le mec qui se dit, Bililachat, ça va, j'ai le temps. Non, t'as pas le temps. Si tu commences à travailler, là, c'est l'athlète, il n'y a pas de problème, c'est le top niveau. Mais il faut que tu sois toujours en mouvement, mais l'athlète. Mais si tu arrêtes le mouvement et tu dis, Bezrat Hashem, ça va, on va le faire, t'inquiète pas, ça, on est dans le chemin. Alors là, c'est très grave. Tout le travail du Yetzer Hara, c'est de te faire montrer que c'est pas. C'est pas l'honora. C'est l'honora. Ton matzav, il est l'honora. Mais ce que nous, on ne sait pas, Rabbi Nachman, il dit, si on aurait entendu une seule seconde
les hurlements et les cris de la Neshama. Quel cri, qu'elle souffre. Pendant 24 heures sur 24, 7 sur 7, on ne pourrait pas tenir. Une seule seconde d'entendre les hurlements de la Neshama, on ne pouvait pas tenir. Rabbi Nachman de Breslev, il nous donne le conseil. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, il faut que je trouve quelque chose pour que cette chose-là, elle puisse te faire sortir d'un éjectement qui est radical. Pas un gros travail, quelque chose de simple, de facile et radical. C'est beau quand même, hein ? Imagine-toi, c'est un ressort, t'es pris par le tourbillon, t'es pris, et d'un coup, bam, on t'envoie en dehors du tourbillon. Et d'un coup, tu retombes sur tes pieds, tu te dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive ? Je savais pas que la ville était aussi... C'est quoi ce tourbillon que je me suis pris ? Rabbi Nachman de Breslev, il dit, pour que je vous dévoile un secret aussi grand, il faut que le Yetzer Hara il soit aussi à la même hauteur. Et il dit, je vais vous-même dévoiler c'est quoi ce qui va faire le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il va enlever toute l'importance du conseil que je vais vous donner pour que vous ne l'appliquiez pas. Pour que vous vous disiez, ouais, bon, c'est une ségoula comme 100 milliards d'autres ségoulottes. Il dit, Rabbi Nachman, mais si, vraiment, vous saurez vraiment, c'est quoi cette, ce conseil, c'est pas un ségoula, c'est ce conseil énorme. Jamais, jamais on aurait négligé cette chose pareille, plus que ça. Rabbi Nathan, il a dit, quand on va monter après 120 ans, et qu'on va nous reprocher ce qu'on a fait des choses à droite à gauche, il n'y a pas d'afka des choses qui sont très très graves, d'accord ? On va parler des choses, des fois, des choses qui sont imbéciles. Lire le Birkat Amazon d'une vitesse figurante, d'accord ? Ne pas penser, ne pas regarder quand on fait la Hamida. De regarder à droite, à gauche des femmes, etc. Juste comme ça, comme il dit Rabbeinu, voler une petite vision ici, voler une petite vision ici. Des choses qui font très très mal, mes amis, dans la Neshama. Des choses où tu es pris, que sans que tu le veuilles, tu... Sans que tu le veuilles, tes yeux, ils sont là-bas déjà. Ta pensée, elle est là-bas sans que tu le veuilles. C'est devenu un instinct. Et dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a un conseil exceptionnel. Ce conseil-là, il s'appelle soupir. Tout de suite, vous dites dans la tête, ouais bon. Ouais bon. C'est l'Yetzer Hara. Alors Bezrat Hashem, ce soir, on va étudier la Torah du Likut Mora numéro 109. Parce que la Sira du Sirat Aran 135 parle de la Torah 109, comme on a l'habitude, ça fait plusieurs fois, que les Sirat Aran nous expliquent plus ou moins ce qui s'est passé dans les Torah. Dans la Torah numéro 109, Rabbi Nachman de Breslev va nous dévoiler un secret. C'est quoi le soupir ? D'accord ? Ah mais t'as soupir et soupir en vérité. Alors on va parler de tout ça. Comment c'est ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Encore une fois, je vous le répète, dans le ciel, les coups qu'on va recevoir, pour la raison pour laquelle on n'a pas soupiré, ils sont encore plus graves que les coups qu'on va recevoir sur des choses. Pourquoi ? Parce que ça a été facile, tu ne l'as pas fait ? Alors là, c'est très grave. Quand c'est difficile et que tu n'arrives pas à faire, je comprends. Mais quand c'est facile et que tu ne fais pas, ça, Dieu ne comprend pas. Ça, Dieu ne comprend pas. Donc, malheur à l'homme, après qu'on va étudier ça, qu'il n'applique pas ce qu'on étudie là. Ça doit devenir un instinct de vie, une nature. D'accord ? Voilà, maintenant on va apprendre la racine de comment ça vient, d'où ça a commencé, etc. etc. D'accord, Bezrat Hashem ? La Torah qu'on va étudier ce soir, la Torah numéro 109. C'est une Torah qu'un jour, Rabbi Nachman de Breslev, il était assis dans sa chambre. Et il y a un homme qui était très, très rachat. Qui était très rachat. Maintenant, il était rachat, chas v'shalom, pas idéologique. C'était un rachat, le pauvre, parce que c'était difficile pour lui d'être un sadique. Il n'arrivait pas à manger kasher, il n'arrivait pas à garder son brique, il n'arrivait pas à prier, il n'arrivait à rien faire. Il aimait l'argent, il aimait les bêtises, il aimait tout. Mais il aimait aussi les tzadikim. Donc à chaque fois, il venait chez Rabbi Nachman de Breslev, il s'asseyait, il entendait les torahs, il repartait faire ce qu'il avait envie de faire. Un jour, il a eu tellement des rouvets de chouva. Elle a un sroud quand même. Le vada qu'il a un sroud. Oui, ça s'appelle un homme. C'est pas les achis, c'est les teavon. Ça s'appelle un rachat les teavon. C'est-à-dire quoi un rachat les teavon ? C'est que le pauvre,
C'est parce que son Yitzhara est très fort, c'est tout. Alors le pauvre, malheureusement, il tombe. C'est difficile pour lui. Alors, il est venu, il avait des Hirurei Tshuva, ce monsieur-là. Il avait des Hirurei Tshuva, il a entendu un enseignement de Rabbeinu. À la fin, que tout le monde est parti, il vient chez Rabbi Nachman de Breslev. Il dit, Rabbeinu, mais jusqu'à quand je vais continuer comme ça? Quoi? C'est comme ça? C'est pour ça? C'est la raison pour laquelle je suis venu dans ce monde-ci? Je dois rien foutre de ma vie. Je dois me laisser aller. Je comprends pas. J'arrive pas. J'ai même pas la force de rien faire. Au moment où je pense à la spiritualité, tout est lourd, tout est dur. Il dit, je n'arrive pas. J'ai beau avoir de la volonté, j'ai beau avoir de l'envie, mais malheureusement, l'envie pour l'autre côté, il est plus fort. L'énergie pour l'autre côté, il est plus fort. J'arrive pas. Il dit, Rabbeinu, j'arrive pas. Le monsieur. Alors Rabbi Nachman de Breslev, il lui a dit, assis-toi mon fils. Et écoute ce que j'ai à te dire. Et là, il lui dévoile la Torah 109 qu'on va étudier ce soir. Que lui, en fait, il lui a dit. Ouais. Donc ça veut dire, ce soir, on va étudier la Torah. Ça veut dire, cette Torah, elle est pour appliquer. Elle est applicable au plus grand des rachats. D'accord? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire, si ça va aider un homme aussi loin à se rapprocher de Dieu, imaginez-vous combien à nous ça peut nous faire du bien. Ça veut dire, c'est un concentré de lumière. C'est un concentré de lumière. D'accord? C'est un concentré de lumière, imaginez-vous. Si nous, on le reçoit, combien ça peut nous faire du bien? Combien c'est applicable? Et celui qui va dire, ouais, c'est pas pour moi, oh là 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 là, la baffe qui doit se prendre dans Rabbeinu. Dans Kohelet, je sais pas comment on dit ça en français. L'Ecclésiaste, exactement. Ouais, c'est un nom, je sais pas comment ils l'ont attrapé ce nom-là. Je crois même que c'est Goy ce nom, bête. Je crois que c'est un nom Goy, je crois que la racine, c'est un truc qui est pas juif, ça. Bon, laisse tomber. Bekitsour. Kohelet. Voilà, dans Kohelet, d'accord. Dans le livre de Kohelet, Shlomo Ameler. Oh là là. Oh là là. Yo yo. Baruch haba, mon frère. Tov. Alors, Bezrat Hashem. Ça va, mon ami? Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Il y a écrit dans Kohelet. Il y a écrit dans Kohelet un pasouk. Que quand tu regardes le pasouk, il est un peu difficile à le comprendre, ce pasouk. D'accord? Beaucoup d'explicateurs sages de Tzadikim, ils se cassent un peu la tête pour expliquer ce pasouk. Je vais vous le lire en hébreu. Et après, on va essayer de l'expliquer en français, Bezrat Hashem, ok? Il a écrit le passage comme ça. Yesh Evel, Asher Naase al Haaretz, Asher Yesh Sadikim Shemagi Alem, Kemaase Areshaim, Veyesh Shemagi Alem, Kemaase al Sadikim. D'accord? Quand tu traduis ça, la traduction, elle est incompréhensible. Incompréhensible. Tous ceux qui ont essayé d'expliquer ce pasouk, ils l'ont vraiment déformé pour arriver à une explication très... à le seul qui a donné une explication qui s'approche le plus au pshat du pasouk, c'est Rabbi Nachman d'après cette Torah. Alors, je vais vous la faire en mot à mot, le pasouk, qui veut dire comme ça. Yeshevel, il y a une buée. Une quoi? Une buée, Evel, une buée, ouais, de l'air, on va dire, de la... D'accord? Il y a une buée qui sort de la terre, que les tzadikim les reçoivent comme bien, et de cette même buée, les réchaïm reçoivent comme un mal. C'est-à-dire la buée en elle-même, elle est neutre, et les tzadikim en profitent de la même buée que les réchaïm en mal. Comme la lumière du monde futur. Hein. Oui, mais le Kohelet, normalement, c'est quelque chose qui doit... C'est du moussard. Ouais, c'est du moussard, ça doit t'apprendre quelque chose. Là, tu comprends rien, là. La terre, c'est l'homme, en fait. Là on comprend rien, là, on comprend rien. Il y a une buée, on ne sait pas ce que c'est la buée. Alors, les Mefarchim, ils ont expliqué ça sur la
Gave. C'est quoi une buée? Une buée, c'est de l'orgueil. Parce que quand quelqu'un il est orgueilleux, il a le torse qui sort un peu, qui est gonflé. Voilà, il se prend pour quelqu'un. Donc il dit, les tzadikim, quelque part, quand ils ont de la gava, des fois c'est important. Pourquoi? Pour qu'ils puissent être appréciés des gens simples. Par contre, quand un rachat a de la gava, ça peut pas être bien sous aucun prétexte. C'est comme ça qu'ils expliquent. Qu'il faut qu'il y ait une certaine, je ne vais pas appeler ça de la gava, de l'orgueil, mais c'est une importance de soi, on va dire. Comme il y a écrit Shminit Sheba Shminit. Shminit Sheba Shminit, c'est un huitième d'un huitième de gava pour qu'il y ait quelque chose de... Pour le respect, pour imposer le respect. Ils auraient pu sortir de n'importe quoi. Evel, quel rapport? Evel et Gava, quel rapport? C'est un exemple, tu peux donner sur plein d'autres choses. Non, mais ça, c'est les tzadikim qui l'ont donné, donc oui, nous. Non, ouais, mais je sais, mais t'as raison, c'est très lointain, c'est ce que j'ai dit. Par contre, Rabbi Nachman de Breslev, il a donné un pshat qui se rapproche au plus de l'explication simple de ce qu'on étudie là. Et là, Rabbi Nachman, il dit comme ça: Pirouche Evel. Pirouche. La Torah, elle commence. Le mot, premier mot de la Torah, elle commence. Pirouche. Pourquoi Pirouche? Parce que je vous rappelle que là, il est en train de parler à qui? Un rachat. Donc, c'est-à-dire que le mec, il connaît rien, en fait. Donc, il lui parle vraiment à nous, là. Il est en train de nous parler à nous, là, Rabbeinu. Comme un bébé. Je vais t'expliquer mon fils, Motamo. Et là, il lui dit, Evel. Motamo, hein, il lui dit maintenant Evel. Regarde, mes amis. C'est-à-dire quoi, Evel? Vraiment, il parle à... Un mec éloigné. Evel, bué, aïnou, veut dire Evel Pé. Veut dire l'air qui sort de la bouche. Ayotse me agaron, qui sort de la bouche, mais de la gorge. Qui vient de la gorge. Regarde comment. Chaque chose, il lui expliquera Benou. Si on parle de quoi, en fait, il dit Rabbi Nachman, on parle d'une buée qui sort de la bouche, qui vient de la gorge. Mignouche de kogonach. Du soupir qui soupire. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a deux sortes de soupirs dans le monde. Il y a le soupir des tzadikim, il y a le soupir des rechaïm. C'est exactement ce qu'on a lu, le pasouk. Le pasouk qui voulait dire, il y a une buée qui sort de la terre, que les tzadikim l'utilisent, et les rechaïm utilisent la même buée. Ça veut dire quoi, il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, il y a un concept que Dieu a créé qui s'appelle le soupir. Ce soupir-là, les tzadikim soupirent, les rechaïm soupirent, mais quand le tzadik il soupire, c'est un monde. Quand le racha il soupire, c'est un monde. D'où vient le soupir, physiquement parlant? Quelqu'un peut me donner une... La neshama? Non, physiquement. Ah. Bon. Non mais, c'est quoi le... Une fatigue. Une fatigue. Une fatigue. C'est en couple, c'est la respiration. On appelle le secours. On est un peu à 4 savoirs comme ça. C'est la même question que je pose, pourquoi on baille? Pourquoi quand on rigole, on fait comme ça, on pousse le ventre et on fait sortir? Non mais mes amis, ce que je vous dis, c'est pas pour rien. Parce que tout c'est un soupir, Bémet. Le sourire c'est un soupir, le bâillement c'est un soupir, le hoquet c'est un soupir. Ce sont tous... La racine, c'est le soupir. Le soupir, c'est la vie. C'est le souffle. Le souffle. Ouais. Le fait est que qu'on fait comme ça. Oh. C'est pas stam, on le fait. Vous savez que ça se fait tout seul, ça. Alors écoutez ce que je veux vous expliquer. Rabbeinu a dévoilé, sous le soupir, il a dévoilé la Torah numéro 8, la Torah numéro 22, la Torah numéro 5, la Torah numéro 56... Et la Torah numéro 9. Et la Torah numéro 105. Dans l'ordre. Vous imaginez? 109. 109, pardon. C'est important. Non mais, ça veut dire, là, c'est pas maintenant un petit ségoula, tu sais, crash deux fois, tourne autour de toi-même, fais comme ça, ou je sais pas quoi. Je parle pas de ça du tout, hein. Il va expliquer pourquoi la Terre. Ouais, la Terre, c'est l'homme qui a été fait par la Terre. Madame. Donc quand ça sort de la Terre, ça sort de moi-même. On va expliquer tout. On va expliquer la notion du soupir. C'est quoi le soupir? Comment c'est important, mes amis? Ne prenez pas ça à la légère. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Mais ce que Rabbeinu a à nous dire.
Akadosh Baruch Hu, il a créé en 6 jours le monde en entier. Le ciel, la terre, les astres, les fourmis, les mille pattes. Il a tout créé dans le monde. Les centaines de milliers de sortes de fleurs, d'animaux. Et après, il a créé le top du top, c'est l'homme, l'être humain. Et après qu'il a créé l'être humain était un morceau de chair qui était comme ça sans vie. Et Akadosh Baruch Hu, il essaye de le mettre en vie, mais il n'y a rien qui le met en vie. Il dit, je comprends pas. Et les animaux, ils étaient en vie? Tout. L'arbre, il vit. Le ciel, il vit. Le soleil, il vit. Tout le monde vit. Qu'est-ce qui se passe avec l'être humain? Pourquoi il est comme ça, comme un bout de chair par terre? Tout vivait. Tout vivait. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a pris Adam Arishon. Akadosh Baruch Hu a soufflé dans le corps d'Adam Arishon. Et depuis ce souffle-là, que nous on respire, c'est le souffle premier de Dieu. Chaque oxygène qu'on rentre et qu'on sort, c'est l'air de Dieu qu'on a. Imagine-toi une seconde d'une oxygène de Dieu qui nous a fait faire rentrer une... Et au moment où il a fait... Ça a créé la vitalité à des centaines de milliers de milliards d'êtres humains pendant 6000 ans jusqu'à la fin de tous les temps. À chaque fois qu'on respire, en fait, nous on croit qu'il y a de l'oxygène partout. Il n'y a pas d'oxygène partout. Il y a de l'oxygène d'ici à ici. C'est tout. C'est tout. Dans le monde, il n'y a pas d'oxygène. Je sais. Si vous voulez, vous croyez. Si vous voulez, vous ne croyez pas. Moi, je m'en fous complètement. On laisse tomber. L'oxygène, il est d'ici à ici. C'est que la vie, elle n'est pas dans l'oxygène. Elle est dans le souffle. Oui. Non, mais c'est Hachem qui donne la vie. Alors, n'essayez pas de... Non. Écoutez bien jusqu'à la fin. Tu vas voir. Ce qui se passe, c'est que la vie, donc, on l'a reçue d'où et de quoi? Ça veut dire on était là, mais on n'était pas vivant. D'accord? Il fallait quoi? Il fallait le souffle, le roi Chaim. D'accord? C'est quoi qui fait qu'on vit, en fait? Comme on appelle aujourd'hui l'oxygène. Quand on n'a pas d'oxygène, qu'est-ce qui se passe? On meurt. D'accord? C'est aussi simple que ça. On n'est pas obligé de tuer, de coups de couteau, du sang, des trucs. Pas obligé. Ça suffit juste de ne plus respirer, la personne, elle meurt. Donc on voit que c'est quoi l'essentiel de tout? En vérité, c'est l'oxygène. Tout le corps, tout l'être humain, il a besoin de l'oxygène. Le sang, les poumons, la chair, le tout. On voit que les arbres ont besoin d'oxygène. Les animaux ont besoin d'oxygène. On voit que le ciel a besoin d'oxygène. On voit que le tout a besoin d'oxygène. Donc la vie de tout, c'est quoi? Nous, on croit qu'il faut trouver une planète où il y a de l'oxygène. Espèce d'imbécile. Là où Dieu a soufflé, il y a de l'oxygène. Là où il n'a pas soufflé, il n'y a pas d'oxygène. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu vas chercher? Dépendre des milliards dans le je ne sais pas où, Neptune, Nocturne, pas quoi. Là, c'est au-delà. Là, c'est du Là, c'est du Parmandou Khamtsani, ça. Tov. Beaucoup d'oseille. Alors, quand on respire, c'est... Alors maintenant, quand on respire, c'est Hachem Yitbarach. Écoutez. C'est CO2 en hébreu, t'as dit CO2. Ouais. Alors maintenant, mes amis, comment ça fonctionne? En français, c'est pas plus pire. Hein. Ouais, mais alors, comment ça fonctionne? Écoutez bien comment c'est beau. Quand un homme, il désire quelque chose qu'il n'a pas, ce désir-là, ce n'est pas juste un désir. Imaginaire, mental ou alors un petit... le cœur. D'avoir un souffle. Toute volonté qu'on a sur quelque chose, que ça soit, c'est la neshama la plus profonde qu'elle demande. Même si c'est des averot. Quand Razvé Shalom, un juif, il veut Razvé Shalom tomber avec une femme, vous croyez vraiment qu'il veut tomber avec une femme? Razvé Shalom, ça n'existe pas qu'il veut tomber avec une femme. Aucun juif, il veut faire des averot, ça n'existe pas. Alors comment c'est possible qu'un juif, il veut faire des averot? En vérité, il veut Dieu.
Mais lui, il ne sait pas l'interpréter en spirituel. Alors, il l'interprète en matériel. C'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est une soif de l'âme mal orientée. Oui, exactement. Ça s'appelle en Sfat Kabbalah, dans la Chassidut, on parle beaucoup de ça, Shvirat Kli HaChesed. Ouais. Top, je continue. Il se passe maintenant, mes amis, que quand un homme, il veut quelque chose, mais qu'il n'a pas, comme en vérité la racine, elle est spirituelle, quand il n'a pas, quelque part, sa flamme s'éteint. Sa flamme s'éteint. Ça veut dire quoi? On va dire, quelque part, ta neshama, elle meurt. En pourcentage. Il y a une partie que tu t'éteins. De là vient, quand t'as pas le chlouk. T'es un peu... Ouais, pourquoi? On restera. Ouais, pourquoi? Parce que t'as envie de quelque chose et tu l'as pas. Alors toi, tu crois que t'es pas bien, pshut neuf, mais en vérité, c'est parce qu'une partie de ta neshama, elle s'éteint. Donc t'es en down. En down. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu meurs, Kaviachol? T'as plus de souffle. C'est là où, quand un homme, il est triste, sa respiration est très... Tsara, comment on dit? Courte. Très courte. Il respire comme ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand un homme, il pleure, sa respiration est courte. Il lui manque le roi Chaim parce qu'il est en train de s'éteindre. Mais comme Akadosh Baruch Hu est rempli de pitié et de miséricorde, Dieu lui envoie un souffle, qu'est-ce qu'il fait? C'est là où il vient le soupir, où d'un coup tu fais comme ça. Ah. C'est quoi ça? C'est quoi le... C'est qui t'a donné ce... C'est toi qui le fais tout seul? Bah, bitum. On a une injection à milligramme d'oxygène dans notre corps. Tu peux pas respirer plus que tu veux ou moins que tu peux. Quand tu fais comme ça... C'est Akadosh Baruch Hu qui te renvoie un souffle pour te redonner de la vitalité. Pourquoi? Parce que t'as un manque. Alors il vient Rabbeinu, il dit comme ça. Si un homme, il a un manque spirituel, le souffle que Dieu il va te donner, c'est un Ruach HaKodesh. C'est un vent Kadosh. Que ce souffle-là, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va t'attacher directement avec Hachem. C'est Chas v'Shalom, le manque que t'as, c'est pour une tava. Où là, tu vas t'éteindre, tu vas te battre. Vous, Dieu, il va dire, purée, t'es en train de t'éteindre, mais c'est pas bien. Je suis obligé de te donner du souffle pour te redonner la vie. Mais ce souffle-là, c'est pour quoi? C'est pour la tava. Et là, tu vas t'attacher à la tava. Mais quoi, Chas v'Shalom, c'est-à-dire qu'il va te souffler Oui, non. Il va te souffler de la vie, toi tu vas prendre ce souffle, tu vas mettre là-bas, et d'un coup tu vas croire qu'il y a de la vie dans l'état à vote. Mais en vérité, il n'y a rien dans l'état à vote. C'est là qu'il dit, il y a un souffle. Ce même souffle, c'est le même, c'est une buée qui m'aime. Par contre, les tzadikim, ils l'utilisent. Les réchets l'utilisent. Pardon, mais t'expliques ça à la synagogue, là. Je répète. Ouais. Non, mais quand on a ce souffle nouveau, qu'est-ce qui se passe bien? Le souffle de base, il vient parce qu'on est en train de s'éteindre. D'accord? Notre Neshama, elle a voulu quelque chose, elle désire quelque chose. Ce désir, c'est un désir spirituel. Quand on ne remplit pas ce désir spirituel pour plusieurs raisons, parce qu'on ne se renforce pas dans la voie d'Atachem, parce qu'on n'est pas assez fort, parce que beaucoup, plein de raisons. D'accord? Alors, Akadosh Baruch Hu, il intervient. Il dit, oh là là, mon fils, c'est très grave, tu peux t'éteindre. Chas v'Shalom. Vite, il faut que je te souffle. Vite, il faut que je te donne un roi Chaim. De là, il vient le soupir. Dans le soupir qui est le... Comment on dit le... Le Shem à Torah, comment on appelle ça le... Le Mechila, je te coupe. Vas-y, le Shem... Comment ça s'appelle quand... dans je tue... Ah, le... Ouais, le grammaire, pas le grammaire, le... Le pronom personnel. Le verbe. Le verbe. D'accord, le verbe, c'est quoi? C'est le soupir, d'accord. Les enfants du verbe, c'est... Le sourire, c'est le hoquet, bailler. Qu'est-ce qui se passe quand tu souris? Oui, je baille. Tu vois dedans? Non, tu fais sortir. Si tu fais l'inverse, tu fais comme ça. Ça veut dire quoi? Tu sors du souffle. Là, c'est toi qui deviens la source du souffle pour en donner aux autres.
soi, tu lui donnes. Ça, c'est quand t'es joyeux, oui. Qu'est-ce qui se passe quand tu bailles? Quand tu bailles, tu es comme ça. Tu avales et tu ressors. Pourquoi? Parce que Bémet, ta Neshama, elle est en manque. Donc tu dis, là, j'ai besoin d'énergie. Donc je prends beaucoup pour m'endormir. Et là, tu vas t'endormir. Le hockey, c'est quand tu as mangé quelque chose avec une tavatahila. Tu as fait rentrer de l'air dans tes intestins. Et le, lui, il veut pas, donc il te ressort. Donc tu as le. C'est plein à expliquer, c'est très. On va pas rentrer dans ça parce que. Mais comme tu as dit, alors, c'est pour ça. Hein? Ça fait partie. Oui. C'est vrai qu'il faut toujours être Bessimra. Alors, oui, mais voilà, celui qui est Bessimra, jamais il soupire. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, je répète, je reviens. D'accord? Le soupir bien. Le soupir bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que puisque je suis en manque, je dois maintenant. Alors, je re-explique quelque chose, écoutez bien, mes amis. Puisque Akadosh Baruch, vous savez qu'Akadosh Baruch, à Rosh Hashanah, il nous donne. Le nombre exact de mots qu'on va dire, de respiration qu'on va respirer, de paroles qu'on va parler, d'argent qu'on va gagner, de sourire qu'on va sourire. D'accord? Il donne le nombre exact. Sourire. D'accord? Maintenant, quand dans ma vie, il me manque quelque chose, et que à cause de ça, j'arrive pas à respirer, pourquoi? Parce que j'ai un manque de quelque chose, dans le ciel, c'est pas écrit qu'il faut qu'on me donne une double de respiration, parce que là, j'ai pas de respiration. Donc je suis obligé de la tirer quelque part, mais d'où je vais la tirer cette expression? Hachem, il vient, il intervient, il dit, je vais te souffler. Yeshevel Hacher Naase Al-Aretz. Et là, il te souffle, et il dit, Hachem Itbarach, ce souffle, il est neutre. Si c'est pour quelque chose de pur, c'est moi-même qui va t'aider, ça va devenir, ce souffle va devenir une ficelle. Par contre, Yichas Veshalom, c'est pour quelque chose de très mal, t'as vu une Lamborghini, t'as fait comme ça. Oh là 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 là. Ça, ça s'appelle un soupir, ça. Un vrai soupir, ça. Alors là, mon frère, alors là, tu prends une là et tu t'attaches à cette Lamborghini, là. Tu vas en rêver la nuit, tu vas en baver la journée. C'est de la folie, ça veut dire. Pareil pour une femme, pareil pour un. Tu vas pas l'avoir. Hein. Et tu sais, mais tu vas être attaché à ça. Et là, Kadosh Baruch Hu. C'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est, tu sais, c'est quoi une Avodah Zara? C'est de servir. Ça, c'est tu dépends ta vitalité de ça. C'est-à-dire, tu l'as, t'es tov, tu l'as pas, t'es mal. Imagine-toi. Alors, tout ça, je voulais faire un petit peu comme ça oralement. D'accord? Venez, on regarde dans la Torah que Rabbeinu nous dit. Comment Rabbeinu il écrit, parce que je vous ai manqué beaucoup de choses. D'accord? Attends, mais il y a un conseil pour sortir des mauvais soupirs? Alors non, mais c'est aussi simple que ça. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Donc si maintenant vous comprenez l'importance du soupir, comment il est important pour des bonnes choses et comment il est grave pour des mauvaises choses, ne vous arrêtez jamais de faire des soupirs pour des bonnes choses, c'est tout. Tu comprends? Tu lis quelque chose que tu veux appliquer dans l'écouter de ça, tu dis... Aïe mon Dieu, c'est quand je le ferai. Quand je le ferai. Quand tu vois Hatzot, aïe. Shabbat, quand tu manges, et d'un coup tu te rappelles que tu es en train d'empiffrer ton ventre, tu vas exploser tellement que tu as bouffé, et tu te dis, mais c'est quand que je vais manger comme un ange? Aïe. Et là tu arrêtes pas de dire, aïe, aïe, dans le ciel, il y a le mot aïe qui sort. On s'imagine même pas c'est quoi cette grandeur de ce aïe. Aïe, c'est qui m'a trait à 26, les gars, le nom de Dieu. Eh oui, mes frères, dans le Aleph, la première lettre de l'alphabet, il y a dedans la lettre Oï. Aleph, Vav et Yud. Mes amis, c'est pas aussi. Ne croyez pas que c'est aussi simple comme on croit. On peut le faire aussi en tunisien, Chassilou. C'est pareil, mais bon, il faudrait trouver des petits trucs. Mais c'est pareil, quoi. Aïe. Aïe, le mot magique de Aïe, c'est le même, la même signification de Oï. Par contre, Shabbat n'a pas le droit de faire Oï. Aïe. Shabbat, on fait aïe. D'accord? Mais toute la semaine, dans Tikkun Chatzot, le Chida, hein? Oï, va, voy, encore plus! Et Rabbi Nathan, il dit, Oï, va, ili, va, lela, ili, oïli. Combien de mots comme ça, il dit Rabbi Nathan? Elul, Elul, c'est racheter votes? Oïli, va, ili. C'est là où il faut crier le plus. Oïli, va, ili. Ça veut dire, pas malheur, mais comment on peut dire ça? Attention à moi. Ouais, oh, pitié, oh là là, au secours, SOS, oh! Quant à, alors, je rentre. Yesh Racha, c'est une Torah très facile, très, c'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup de kitvé, parce que là, on aurait besoin du kitvé pour le... Non, non,
parce qu'il faudrait vraiment le lire. Yesh Racha, il dit Rabbi Nachman comme ça, il y a un Racha, parce qu'il parle de qui là? Il parle du Racha. Il lui parle, il lui dit écoute. Il lui parle à la troisième voilà, personne. Voilà, non, on sait, voilà. Comment il est fin, Rabbi Nachman. Il dit Yesh Racha, il y a un Racha. Kol Yamav, toute sa vie c'est un Racha. Écoutez le ridouche que Rabbeinu dit. Écoutez. Yesh Racha, Kol Yamav. Toute sa vie, c'est un rachat, le mec. Umitaner vena la avar. Et qu'est-ce qu'il fait? Il soupire et il fait clort. Il sort le. Ah! Rasra la orina. Mais sur quoi? Sur sa vie du passé, sur ses péchés. Il dit oh, riponoshelola, mon Dieu, mon Dieu! Oh là là! Tout ça sur son passé, sur ses péchés. Écoutez, je répète parce que. Je répète, hein. Yesh Racha Kol Yamav. Hein? Hein? Oui! Mais là, il y a un regret, c'est un soupir de. Oh, j'en ai marre, ça veut dire. Tu comprends? Il dit, mais oh là 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 là! Ça veut dire. Voilà! Alors je répète, mes amis, parce que. Une plainte. Yesh Racha Kol Yamav. Il y a un Racha toute sa vie. Umitaner vena à la avar. Et il soupire et il. Et il. Oh! Comment on appelle ça le. Oh! Hein? Des râlements. Ouais, des râlements, des soupirs. Sur quoi? Sur le passé. Sur toute sa vie. Veyesh chazve shalom. Il dit Rabbi Nachman, mais ne croyez pas. Il y a aussi l'autre côté. Tzadik meikaro. Il y a un tzadik de base. Depuis qu'il est né. Il est tzaddik, il a une vie propre, sympathique, Torah. Vetoé à la richonote. Mais ce tzaddik, il dit, purée, je voudrais bien qu'il fait comme vous. Y aller à Ibiza un peu, le soleil, pourquoi pas, quoi. Que vous, pas que moi, je comprends pas, pas un homme. Y a que vous qui allez kiffer. Et moi, je peux pas kiffer, moi. Parce que je suis un tzaddik, j'ai pas le droit de kiffer. Vena umitane arganken. Et lui, il soupire aussi. Mais pas pour la bonne réponse. Pas pour les bonnes choses. Et Rabbeinu ne continue pas. Il dit, maintenant, je vais te raconter comment ça se passe. Écoutez, mes amis. Veine, et voici. Yesh shnei chavalim. Dans le monde, on a tous deux cordes. Entre parenthèses, de là viennent les péotes. C'est pour ça qu'on a des péotes. Plus ils sont longues, mieux c'est. On est plus attaché à Hachem. Je ferme la parenthèse. Veine yeshner avalim. Il y a chacun de nous tous, chaque juif, il est attaché avec Hachem par des cordes. J'ouvre une autre parenthèse. Comme les marionnettes. Prenez une corde. Mettez-la à la tour Eiffel. Faites-la descendre jusqu'à le parterre. S'il n'y a pas un seul brin d'air, toujours la corde bougera. Toujours. C'est de la nature. Si elle ne touche pas par terre, tu veux dire? Si elle ne touche pas par terre. Oui, c'est le pendule de machin. C'est le pendule de. Comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. C'est la raison pour laquelle. Parce que la terre, elle tombe. Non, ça, c'est pas. C'est comme ça qu'il a démonté le vent. Oui, mais. Oui, non, sans, même s'il n'y a pas de vent. Là, c'est pas de vent. Même s'il n'y a pas de vent. Ah, c'est pour bien. C'est une loi. Comment il s'appelle? Ouais, le méchané. C'est une loi, c'est une loi physique, physicienne. C'est de là qu'il vient, parce que beaucoup de gens ils posent des questions, pourquoi vous vous balancez? Ah, le balancement. C'est parce qu'on est attaché à Hachem, c'est tout. Parce qu'on voit pas la corde. C'est vrai, on est attaché à Hachem, on a des cordes, on a deux cordes. Donc je ferme la parenthèse. Chaque juif a deux cordes. Revel d'Ikdusha, une corde sainte, ou Kenegdo d'Ituma, et l'autre côté... Il y a la corde impure. Ve'a bechira chofshit. Le choix est gratuit. Comment c'est pelé la paracha de la semaine. On est dans la paracha du choix. Bechukotai telechu. Et le choix, il est ouvert. Les cartes, ils sont là. Tu fais ton choix. Tu as la possibilité de monter dans la corde sainte ou alors de monter dans la corde qui est un peu plus moins... impure.
Mi shemei kadesh atzmo, un homme qui se sanctifie. Ça veut dire quoi, il se sanctifie? Il essaye de ne pas mentir. Il essaye de se réveiller tôt le matin pour mettre tefilin en son temps. Il essaye de prier avec une petite ferveur. Il essaye de mettre un peu de son soi. Il essaye d'être attaché à Hachem, comme on dit. Il essaye de chercher comment servir à Kadosh Baruch Hu, etc., etc. Tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Mekacher atzmo bechevel digdusha. Il s'attache directement à la corde sainte. Voulait faire chas v'shalom. Par contre, un mec qui cherche ce monti et qu'il essaye de faire ce qu'il a envie de faire pour son corps, cet homme-là, il s'attache à la corde pas comme il faut. Veiné, et voici. Qu'est-ce qui se passe quand un homme, il monte dans la corde, la brioute? Qu'est-ce qui se passe quand un homme, il monte dans une corde de la sainteté ou de l'impureté? D'accord, on va dire l'impureté. Il monte. Il a le vertige. Qu'est-ce qui se passe quand il est très haut? Non, il voit qu'il est très haut, il peut pas redescendre. Pour redescendre, c'est spécial. Donc il se dit, je vais pas retomber en haut, je sais pas comment je vais faire. Il dit Rabbi Nachman, quand un homme il est entouré par ce monti, il a le travail, il a sa copine, il a ça, il peut pas du jour au lendemain se détacher de ce monti. Il peut pas, c'est impossible. Il dit Rabbi Nous, c'est impossible. Quand tu es pris par le tourbillon, que tu le veuilles ou pas, tu peux pas t'arrêter. Tu peux pas. C'est humain. Pourquoi? Parce que tu es monté très haut dans la corde impure. Veiné, voici. Anoa ve'anacha. Le soupir. Ce soupir-là. Ou bechinat mita beguf vanefesh. Ça, ça s'appelle mourir. Comme je vous l'ai expliqué. Quand tu veux quelque chose et que tu l'as pas, quelque part dans ta neshama, il y a quelque chose qui s'éteint parce que tu as envie de quelque chose. En vérité, tu dois mourir, mais Akadosh Baruch Hu t'envoie un souffle. Et ce souffle, c'est le soupir pour pas que tu meurs. Vous savez que quand on éternuait, l'éternuement aussi, ça vient du soupir. À l'époque de Noar, quand on éternuait, on mourait tout de suite. Ouais, pourquoi vous rigolez? C'est pour ça qu'il y a les maladies, non? Hein? C'est pour ça qu'il y a les maladies et les trucs comme ça, non? C'est pour ça qu'on dit les Chaim Tovim quand quelqu'un il a brioute. Chaim Tovim. Pourquoi? Parce qu'il mourait. Parce que c'est quoi de éternuer? C'est un souffle très fort. Mais d'où tu le sors ce souffle très fort? Tu l'as pas, t'as pas de souffle. Tu peux pas jouer comme t'as envie. C'est quoi? C'est le souffle qui sort et du nez et de la bouche en même temps. C'est un souffle que c'est, il n'existe pas. Donc de base Dieu il dit mais ça c'est en plus, je peux pas te donner en plus du roi Chaim, c'est du roi Chaim. Je peux pas te le donner ça. En fait ce soupir t'éjecte un peu. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a Kadosh Baruch Hu, noir, il a fait qu'aujourd'hui quand on éternue, Dieu oui nous donne de la vie. Mais de sortir une telle force de sortir comme ça, ça sort tout de suite à Kadosh Baruch Hu, c'est un roi Chaim, c'est pour ça qu'on dit tout de suite à tes souhaits Chaim Tovim ou le Shalom. Alors maintenant il dit comme ça, quand un homme, il soupire, d'un soupir fort, alors il dit, normalement il devait mourir. Parce que, j'arrive pas à m'expliquer, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de... Un soupir pas bon, tu veux dire, qui soupire d'une mauvaise chose. Je vais vous dire, en vérité, je vais vous dire un truc, mais non, je vais vous dire un truc qui est très simple. En vérité, baisse son émoulin, en vérité. Non, je vais vous dire un truc simple, d'accord? Quand Akadosh Baruch Hu a soupiré dans notre corps, il a soufflé dans notre corps, on a dans notre narine, dans notre corps, on a la possibilité de souffrir, d'expirer, que d'une manière de, on va dire, de 10% à 10%. 10% tu fais, 10% tu aussi. Pas plus que 10%. 10% de quoi? 10% de la capacité, que tu pouvais le faire normalement. D'accord. Que 10%. D'ailleurs, tu peux le voir. Parce qu'en vérité, on peut le faire très longtemps. Ah ouais.
Même ils ont dit que de faire ça pendant 10 fois par jour, ouais. Rien que de le faire comme ça, ça fait du bien. Ça, ouais, ça enlève une tonne de choses. Mais imagine-toi donc, qu'est-ce qui se passe quand tu expires et quand tu soupires, tu le fais à 10% de ta capacité, d'accord? Pourquoi? Pas parce que tu peux pas ou ton corps il est fatigué ou que ça. Parce qu'on n'a pas de roi Haïm en fait. T'as pas de roi Haïm, t'as pas le souffle de Dieu. Ah, mais c'est pour te laisser le choix de pouvoir le faire quand tu fais. Parce qu'on n'est pas attaché à la sainteté. Parce qu'on n'est pas attaché à Dieu. Quand c'est les tzadikim, il respire. Quand Rabbi Israël, quand il est rentré sous le mikvé, il a arrêté de souffler pendant un quart d'heure. C'est possible ça dans le livre des Guinness, comment on appelle ça le... Les Guinness des records. Les Guinness des records, c'est impossible. Et bien Rabbi Israël, il a fait. Devant 5 personnes. 5 témoins. Il est rentré sous l'eau. Hein? Mais mec, mes amis, comment c'est possible? C'est possible. C'est possible. Tout est possible. Il a fait rentrer l'oxygène sans respirer. Il a gardé l'oxygène dans son cerveau, dans ses poumons. Et il a... Rabbi Israël Cordonneur, quand il est mort un vendredi matin. Il est revenu vivant faire le kiddush à sa femme le soir même. Alors, quand il est revenu, il n'est pas revenu en ange ou en je ne sais pas quoi, d'accord? Il est revenu en chair et en os, en respirant et en buvant le verre de kiddush. Comment il est mort? Il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'il est attaché à Kadosh Baruch Hu, il a du souffle, tant qu'il veut, quand il veut. Il y a plein d'histoires dans la Gemara qu'on voit qu'il y avait un tzaddik qui marchait, et d'un coup il entend une voix de par terre qui dit « Oh, garde là où tu mets tes pieds !» Lui il a eu très peur, il dit « C'est qui ?» Il dit « C'est Rabbi aussi !» Il dit « Où tu es ?» Il dit « Ben c'est ma tombe !» Il lui dit « Mais tu me parles !» Il lui dit « Alors ?» Il lui dit, t'es vivant ou t'es mort? Il dit, je suis mort. Il dit, alors comment tu me parles? Il dit, Dieu, il a dit que je dois mourir, je meurs. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas parler. Je suis vivant. Mais Dieu a voulu que je suis mort et que je suis enterré, donc je fais la volonté de Dieu, chaque seconde. Alors il lui dit, lève-toi, j'ai envie de te voir. Et il s'est levé. Il s'est levé. Un corps, un mec. Un mec, voilà. Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien. Un peu de terre. Là. Un peu de terre, voilà, il fait comme ça avec la terre. Et il dit, c'est comme ça? Il dit, ouais. Ouais. Et il s'est remis par terre. Ouais, tous les jours, pour tous les kivrets de Tzadikim, il le voit. Attends, j'ai une question, Moran. Quand on a une moulade sous le temple de Tzadikim, il n'y a aucun problème. Et alors, justement, si on a une émouna à 100%. Non, t'as pas compris, c'est pas une émouna, David. Attends, si on a c'est pas une histoire d'Emouna, Bethlehem. Non, moi j'ai une Emouna à 100%. Non, mais on parle pas de ça. Attends, okay. Par rapport à ce que tu m'as dit, okay. Je sais que en moi j'ai le souffle d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Je veux voir quelqu'un qui est Chas V'Shalom, il est pas bien. Ok. Je parle d'un malade. Ouais. Et si je suis persuadé que je peux lui redonner de la vitalité. Ouais. Si je lui souffle, ouais. C'est lui redonner la vie. Ouais. Mais comment on le fait ça? Bouche à bouche. Non. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est quoi le roi Haïm? C'est le rire. Tu vas le faire rire. Tu vas lui redonner de la vie. Et là, il va dire, allez, je me lève de mon lit, allez, vas-y. C'est ça le roi Haïm. Mitzvah de la liot besim khatamit. Pourquoi il faut rigoler? Parce que tu attires le souffle de Dieu, tu remets la vie. Un homme qui est malade, il faut pas venir faire bikucholim. On est venu, je suis là, voilà, je m'assois à côté de toi, comment c'est dur, hein, c'est dur. Le mec, il te met la rasera, mais tu te demandes, mais qu'est-ce que t'es en train de me foutre? Mais dégage, purée! Mais dégage, mais je t'ai pas demandé de venir de... Raconter des blagues, faites-moi rigoler, ça je suis prenant. Mais de venir et de raconter tout ce que t'as eu, comment t'as mal, comment tes trucs, etc. Le mec, il dit, bon, allez, vas-y, je vais aller me dormir parce que... Tu m'angoisses. Oh! La simcha, la vitalité, le sourire, la confiance en soi, d'être content d'un petit peu de ce que j'ai.
Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand on soupire pour des mauvaises choses, on meurt dans la Kdoucha et on vit dans la Touma. Quand on soupire pour des bonnes choses, on meurt dans la Touma et on vit dans la Kdoucha. Est-ce qu'il n'y a pas plus propre que ça dans le monde? Ouais, alors par exemple, comme on a dit, il y a une histoire de la Gemara. C'est quoi l'histoire de la Gemara? Rabbi Nathan, il rapporte l'histoire de la Gemara. Il y avait un homme, c'était un grand tzaddik. Et il faisait un cours de Torah. Il avait à la table de, il avait à sa table tous les grands tzaddikim. D'accord? Et de loin, il voit une femme d'une beauté comme il n'y a pas. Et il voit que c'est une prostituée. Il lui fait un signe comme quoi, après, on a rendez-vous. Ben mec, mes amis, on connaît pas nous le Yetzirah à l'époque. Le Yetzirah à l'époque, c'est pas le Yetzirah d'aujourd'hui. Hein. Ils l'ont tué, le Yetzirah à l'époque. Et Bekitso, il se passe que quoi? Il termine son cours de Torah. C'était un tzaddik, hein, mes amis. Mais encore, je répète, on comprend pas c'est quoi le Yetzirah à l'époque. Et il termine le cours et il va chez elle. Il va chez elle et elle, elle lui fait montrer les sortes de kiffs qu'il va avoir. Agmara, elle dit, au début, il lui fait montrer des lits en bois, très grands. Après, il lui fait montrer des lits en bronze. Après, il lui fait montrer des lits en argent. Après, des lits en or. Après, des lits sur de diamants. Il lui dit, choisis, c'est tout pour toi. Et lui, en fur et à mesure qu'il lui fait montrer ses délires, etc., etc., il fait comme ça. Oh. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se dit? D'un coup, il se dit, tu t'imagines le kiff là, maintenant, le kiff? Mais si ça, c'est dans ce monde-ci pour une tava, qu'est-ce que ça doit être dans le monde futur pour une mitzvah? C'est juste ça qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'il a soupiré. C'est-à-dire, en fait, il a soupiré. Oh là là, pourquoi je suis là? J'aurais aimé de que ça soit dans une bonne, un bon entourage, au lieu d'être c'est comme un, ça. C'est un bon soupir, ça. Ben, vadaï! Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Voilà ce qu'il dit. La Gemara, elle nous raconte. C'est elle-même qui est venue et qui lui dit, tu sais, quand je t'ai vu devant tous tes élèves, tu étais comme un roi. Tu parlais de la Torah, d'une vitalité. Tu étais un homme comme un lion. Comment moi je vais te faire descendre de cette royauté? On fera rien. Elle est partie à Yavne. Lui, il est reparti à la yeshiva. Il a fermé sa yeshiva. Il a jeûné et il a pleuré. Des mois et des mois. Pendant ce temps-là, elle est partie se convertir à Yavne. Elle s'est convertie à Yavne. Elle a vendu parce qu'elle était très riche. Elle était très riche. Bah. Elle était très riche. Elle a vendu tout ce qu'elle avait. Toute sa richesse, elle a donné à la yeshiva du grand tzaddik. La Gemara, elle raconte que 12 ans plus tard, elle vient vers lui et elle lui demande de se marier avec. Lui qu'il avait connaissé, il la connaissait plus parce que ça y est, ça faisait 12 ans, il s'est plus rappelé. Il a dit ok, on se marie. Il a vu que c'était une très grande sadéquette, c'était devenu une très grande sadéquette. Il s'est marié, après le mariage, il a dit tu sais qui je suis? Et il dit non. Il a dit je suis elle. Et là il a commencé à pleurer. Il a dit pourquoi tu pleures? Il a dit parce que quand je suis rentré avec toi pour faire la Avera, je me suis dit, si je vais tellement kiffer dans ce monde-ci, qu'est-ce que ça peut être dans le monde futur? Et il dit, et là, Hachem, il m'a fait apprendre que des fois, on n'est pas obligé d'attendre de mon futur. Dans ce monde-ci, on peut kiffer, ben, terre, avec permission. Et là, ça sera avec permission. Et grâce à ça, à quoi tout ça, il dit Rabbi Nathan? Le soupir, il a créé une nouvelle vie. Il a créé une nouvelle vie en lui, en elle, et un monde en entier. On peut déterminer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Alors là, plus ou moins, des choses qui sont simples.
Quand on voit des mauvaises choses, quand on veut des mauvaises choses, quand on voit quelque chose qui n'est pas droit, quand on veut appliquer quelque chose et qu'on n'arrive pas à l'appliquer. Alors tu peux faire le froid et rien faire, ou alors fais un peu le sfaradi. Fais, oïe, qu'est-ce que je voudrais ? Oïe, chaque chose que tu veux pas, que tu veux le faire et que tu n'arrives pas, fais oïe. Chaque chose que tu es dans la gadouille, tu veux t'en en sortir. Oïe, mon Dieu, oïe. Je vous ai raconté, mes amis, le tzadik Mistar qu'il y avait à Ouman, à Rosh Hashanah. Mm-hmm. Pendant des années, il est mort, il y a 6 ans, 7 ans. Il venait à Ouman, à Rosh Hashanah, je ne me rappelle, je sais pas si les gens ils se rappellent. Il se mettait là-bas 2 jours avant Rosh Hashanah, à côté du Tzioun, derrière le Tzioun. Il mettait une serviette. Il était debout. Et pendant 4 jours, il faisait comme ça. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! 4 jours. Vous rigolez, hein ? On pétait une crise de nerfs. À la fin, t'en pouvais plus. Mais de là où t'étais à Ouman, t'entendais ce cri. Maintenant, tu te demandais, mais d'où ? Il faut avoir de la force quand même. Parce que Béhémeth, il ne s'arrêtait pas. Il ne s'arrêtait pas. Il ne s'arrêtait pas. C'était, mes amis, c'est pas humain, voilà, je vous dis. C'est connu. Non, Ouman, cette année, j'étais me coucher, le lendemain, il était encore là, les pages, elles étaient trempées, mais au moins 8 heures. Ya. Il était trempé. Il pleure toujours pareil, debout, pareil. Ouais, écoute frère, il y a des grandes choses à Ouman. Nous on croit Stam, il y a des très très grands. Nous on croit que les grands c'est des gens qui sont connus, photocopiés partout, dans tous les itonymes de je veux pas dire les noms, et on les voit tous grands comme ça. Mais c'est pas obligé que ce soit ça les grands. Un grand ça peut être quelqu'un qui n'a pas de chaussures, qui est assis comme ça, à côté du tzion de Rabbi Nachman de Breslev, qui est complètement clochard. Tu te poses presque des questions de... C'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'il fout comme ça? Il a pas honte? Eh ben c'est lui le grand. C'est lui qui tient tout. C'est un tout petit mec qui a une casquette, mais quand il parle à Hachem, il pleure, il se... C'est un homme qui est amoureux de Dieu. Hein, il est amoureux de Dieu. Il veut se rapprocher de Dieu. Il veut faire que du bien. C'est un homme qui est sous d'Hachem. Il est sous de la Torah. Tu lui racontes une histoire, ses yeux, ils brillent comme si qu'il a fumé un truc. Il est allumé, le mec. Il est allumé. Raconte-moi encore. T'en supplie, raconte-moi encore. Pourquoi on doit s'allumer de mauvaises choses? On doit être drogué de Rabbeinu. On doit être drogué de la Torah. On doit être drogué d'Hachem. En transe. On doit être en transe vivant, pas comme vivant, comme je ne sais pas quoi. Rabbeinu, il dit, on a la possibilité, vous voulez savoir comment? Criez oï. Les oï de Amram Hurwitz, le petit-fils de Rabbi Nachman. Je remercie Dieu d'avoir entendu ça dans ma vie. Je remercie Dieu. Pas beaucoup de fois je l'ai entendu, mais les quelques petites fois que je l'ai entendu, pendant la Hiloula de Rabbi Israël, ou d'un coup dans son bureau. Vous savez qu'Abraham Hurwitz, c'était un... Comment on peut dire ? Béhémet, hein, je vais vous le dire, Béhémet, c'était un homme qui était, son bureau, il faisait 3 mètres sur 6. C'est pas beaucoup 3 mètres sur 6. Il n'y a même pas 3 mètres sur 6. C'est pas mal, 3 mètres sur 6. Alors, je veux dire... Ça fait 18 mètres carrés. Non. Ouais, 1 mètre sur 1 mètre. 1 mètre sur 1 mètre, je veux dire. Ça veut dire qu'il y avait la place d'une une chaise. Et un petit bureau. Et un bureau juste pour mettre l'ordinateur. Maintenant, dans ce 1 mètre sur 1 mètre... Tout le Kehen, des milliers de livres, des centaines de Mephitim, toute la choule tenait dans ce bureau. Parce qu'Amram Hurwitz, il tenait l'école de Torah Tmima de la choule, de la grande choule Breslev. C'était lui, à l'époque, le dirigeant de la grande choule Breslev. Et donc il dirigeait aussi le Kehen. Et c'était tout à l'époque... Il recevait chez... C'était tout le temps ouvert, il était tout le temps assis, il mangeait, il dormait 24 heures sur 24 sur sa pièce. Tout, et il avait son écoute-mémoire, toujours ouvert.
Et le monde, il faisait bouger le monde, parce que Bémet, tout se passait autour de lui, avec son écouté Moran. Je ne sais pas comment il était ouvert ou de quelle façon, mais à chaque fois il disait, oh, il criait un oi, mes amis. C'était un oi qui transperçait ton corps. C'était un oi d'un lion. Il était, Blainara, il était. Bien il était grand, toi. Ouais. Il était, quand il était assis, c'était une montagne devant toi. Et il avait une tête, comme un soleil, tout rouge. Tout rouge, il était rouquin. Tout rouge, il avait une tête, des longues pelotes, une grande barbe. Il te regardait, ça te transperçait. Et quand il parlait, tu sais, quelqu'un qui, il avait une voix que ça sortait de son ventre. Quand il criait, tout remontait. Et quand il criait comme un lion, mes frères, t'étais là, tu sentais que tout ton corps, il vibre. Mais vraiment, tu sais, comme les klaxons des bateaux. Ouais. Des klaxons de bateaux. Et tes pelotes, ils faisaient comme ça quand ils criaient, mon frère. Quand Shimon, quand Meir Yemini, il est parti de ce monde, Amram Urvitz l'a fait le Hesped. Il ne pouvait pas descendre, c'était très difficile pour lui. Donc on l'a enterré là où il y a Rabbi Israël, et lui, il était dans la route en haut. Donc imagine-toi, le pauvre, il ne pouvait pas descendre. Donc il parlait tout seul d'en haut, et nous, on était tous en train d'écouter tout en haut. Il faut une voix quand même. Il a crié, il rugit comme un lion. Et il a dit, il a crié, il dit, maintenant, je veux que tout le monde dise à Meir Yemini, qu'il est mort, il faut qu'il aille chez Rabbeinu. Alors il a dit, répétez après moi. Et là il dit, Meir. Et tout le monde dit, Meir. Et il dit, de mot à mot, tu vas m'entendre cette fois-ci. Et il lui dit, tu vas m'entendre. Il frappe comme ça sur la tombe. Donc il lui dit, écoute ce que je suis en train de te dire. Et tu veux que je te dise quelque chose? Tout celui qui était là-bas, en vérité c'est nous qu'on s'est réveillés. C'est, il nous a réveillé, nous, il n'avait pas besoin de sa mère. Mais il était déjà directement chez Rabbeinu en 5-7. Il est mort en plein milieu d'Afasa. Est-ce qu'on peut y aller quelque part d'autre? C'est lui qui nous a tous réveillés. Mais on avait des... Maintenant que je vous raconte, j'ai encore la chair de poule. On était... J'avais quel âge? C'était il n'y a pas longtemps. J'avais 18 ans. J'avais 12 ans en plus, même. Je ne me rappelle pas. 20 ans, 21 ans. Pourquoi il est Miriamini? Non. Non, alors je parle de Meir Yemini quand il a les ports de. Il est Mouftar il y a 10 ans à peu près. Mais il avait quel âge? Il avait 65 ans, un truc comme ça. Ouais, tout jeune. Il était tout jeune. Et quand il nous a dit Tilach Yachar le Rabbeinu, il a répété encore Yachar le Rabbeinu. Après, il dit Atalom a mille et comme si, qui parlait avec le Yetzerara de chacun de nous tous. Il avait un... Moi, je vous dis ce que moi, je ressentis, ce que tout le monde ressentit. Ça veut dire, il parlait avec... Et pourquoi il disait de répéter? Pourquoi il nous a dit de répéter? Il ne pouvait pas tout seul lui dire. Parce qu'il nous parlait à nous-mêmes, en fait. Il voulait que nous-mêmes, on se le parle, qu'on le dit. Atalom Amili, nous, on disait. Atalom Amili. Et il dit, Atalom Amin. Et là, il dit, oh. Et là, il a commencé à crier. Des rugis, des rugissements, des cris. Des cris de oi. Mes frères, c'est... Je sais pas, c'est comme... je sais pas. Il nous a fait un truc que il faut revenir mille ans, travailler mille ans d'Avodat Hashem pour arriver à un truc comme ça, en 5-7. C'est des choses qu'on peut pas comprendre. Quand il crie le oi, tu sais, beaucoup de gens m'ont dit. Chacun, il a sa vie, chacun, il a ses problèmes. Toujours la Hiloula de Rabbi Israël, c'est le jour de dans le Keren, c'est le jour de Din Vecheshbon de la Hafatsa. Ça veut dire, Rabbi Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Israël, il a dit, je veux que vous vous mettez à 100%, 1 milliard de pourcents dans la Hafatsa. Alors le jour de la Hiloula de Rabbi Israël, Amram, il disait aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah de la Hafatsa. Je veux maintenant voir des Din Vecheshbon de chacun de vous tous. Et c'était comme un Rosh Hashanah. Alors tu sais, alors bon, chacun il a sa vie, ses problèmes, sa femme, ses enfants, l'argent, etc., etc. L'État vote, d'accord? On a chacun notre... Et toujours on nous dit, la Hiloula c'est à 1h de l'après-midi. C'est de la folie mes amis, ils ont filmé ça. Alors c'était le Oulam de Zvil, d'accord? Alors tout le monde est dehors.
Alors, ma Corée, comme les CDR tapent, allez, ils kiffent. Chez, ça va, ils boivent le truc, etc. La fleuve, fanfare, le truc, tout le monde, le défilé. Le défilé. C'est tous les méphitimes. C'est, on parle de 150 méphitimes, des gens, des c'est tous des bombes atomiques. Ils font beaucoup de travail. Mais bon, chacun, il a son délire. Et chacun, il mange le poulet, le truc dehors, il rentre, il sort, il rigole, etc. etc. Au moment où Abramovitch commençait à s'asseoir sur la table. Et il frappait sur la traque comme ça. Il faisait un bruit. Tout le monde rentrait d'un coup. Il s'asseyait. Et du monde là où t'étais, comment d'une paille vitesse t'arrivais à rentrer dans un monde d'Avodat Hashem? Alors là, mes amis, c'est un ridouche comme il n'y a pas. C'est exactement ce qu'on parle dans des voitures de la, je sais pas quoi, les Porsche, etc. Quand 0.1, elle arrive à 100 kamash. C'est de ça que je vous parle. Ça veut dire que tu es en plein trip de ta vote. Et il arrive à te prendre, donner une baffe, mais un coup de poing, qui te remet dans, tu sais, comme notre truc. Le mec, t'es comme ça. Oh là là là, qu'est-ce qui m'est arrivé là? Ouh là 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 là. Et d'un coup, tu te remets en Avodat Hashem. Comment? Pas avec des paroles, avec rien. Maïeu Rabbeinu, il disait. Vous n'avez pas pitié de Rabbeinu. Vous n'avez pas pitié de Rabbeinu. Vous tenez Rabbeinu dans vos poches. Oui, imbécile que vous êtes, il disait. Qu'est-ce qui se passe? Combien de livres on a fait d'Afatsa? Combien? Combien t'as fait? Il prenait en plein milieu de tout le monde. Combien t'en as fait? Combien? Tu sais pas combien? C'est pas important pour toi? Quand tu gagnes de l'argent, tu comptes pas ton argent? Oh, le mec, il nous remet sur les pendules à l'heure. Mais quand on sortait de là-bas, on n'allait pas aller danser, chanter, mon frère. On rentrait dans les camions. Chacun, il faisait des nédarim. 100 000 livres, ça sera pour moi cette année. Lui, il dit 15 trucs, moi ça, moi ça. On sortait des lions. Des lions. Mais pas parce que, ni pas des cours de Torah pendant des années, tous les mardis. Pas ça. Deux, trois petites paroles. Deux, trois petits oi, deux cris. Qu'est-ce qu'il faisait? Il, tout simplement, il te tuait dans l'impureté pour te faire revivre dans la Kdoucha. Des fois, tu es dans un délire de Tahava où tu n'as rien envie d'écouter. Émettre ou pas? Complètement. Ah, vraiment? Tu dis, écoute, là, je suis en Afsaka, hein. Laissez-moi tranquille. J'ai mes deux heures de série, là. Laissez-moi tranquille. C'est la soirée, laissez-moi vivre. Surtout, ne m'envoyez pas de WhatsApp de Haye Moharan. Surtout pas, là, parce que là, j'ai envie de respirer. Je veux pas voir un appel en direct sur Facebook. Là, t'es quoi, là? Là, t'es en train de survoler ta corde de impureté. Ouh, comme Tarzan, là. Ouh, comme un cheval, t'es là. T'es en train de te balancer. Je me balance dans mes tavos. Ah, venez, dis, je te comprends, mon frère. Je te comprends, tu peux pas sauter de aussi haut. Il dit par contre, tu fais le oh du Tarzan, mais en vrai oeil, un oeil de Breslever. Et tu verras comment tu vas sauter de haut, tu vas t'asseoir directement, tu verras comment ça a des faits. Il dit Rabbi Nachman, quand moi je faisais un oeil, je ne pouvais pas bouger pendant une heure, mon corps était complètement brisé, comme ça. Une heure. Il dit, je comprends pas, quand vous faites oeil, vous pouvez encore normaler. Il dit, moi, quand je fais un oeil, je brise mon corps complètement. Il dit, je peux même pas lever mon bras pendant une heure. Tellement je l'ai brisé, mon corps. C'est aussi simple que ça. Le rachat, au final. Hein? Le rachat. Attends. Tout ça, c'est le rachat qui écoute de Rabbeinu. Mais tu t'imagines ce qui se passe au rachat quand il voit Rabbeinu? Attends, mon frère, le rachat, il est en transe comme ça, il regarde Rabbeinu. Il lui dit, oui, Rabbeinu, au revoir. Au revoir. Il est là. Kemo Shamrou, Rabotenu Zichonam Nibracha, comme les Chachamim, ils nous l'ont appris. Anacha Shoveret Goufo Shel Adam. C'est quoi Anacha Shoveret Goufo Shel Adam? Il dit, la Gemara, il dit comme ça. Tout soupir brise le corps d'un homme. C'est comme ça. Oui, anacha, chauvin. C'est-à-dire que tu le sens, que tu le sens pas. Chaque soupir brise le corps de l'homme. Alors il dit Rabbeinu, quand tu es dans un trip de Touma, ça te brise ta Touma. Quand Rasvé Shalom, tu es dans un trip de Gdoucha. Alors là, mon frère. Quoi?
Attends. Ah, j'ai pas. Il y a un clan. Le clan, c'est que chaque soupir te brise. Pourquoi ça te brise? On l'a expliqué. Puisque tu n'as pas de respiration et tu dois prendre une respiration de plus haut, donc tu utilises quelque chose qui ne t'appartient pas, donc ça te brise, d'accord? Ok. Donc chaque... ça brise le corps de l'homme. Quand un homme, il soupire pour quelque chose de pur, alors qu'est-ce qui se passe? Il brise le corps matériel et là, il s'attache à la pureté. Okay. Par contre, quand un homme, il soupire pour quelque chose de touma, alors il brise la gdoucha qu'il a en lui pour s'attacher dans la touma. Okay. Et là, c'est très grave. D'où les fréquentations. C'est juste le libre arbitre. Oh, Yoel! Veine, voici. Michemitaner, vena la veroche beado. Un homme qui soupire et qui râle sur les péchés qu'il a en lui. Verotse la chouf bichouva. Et qui veut faire teshuva. On ne parle pas de quelqu'un qui fait teshuva. Il a juste la volonté de faire teshuva. Azaï ben achazou. Rappelez-nous, il est possèque, il tranche. En soupirant sur les péchés, il les brise, les péchés. Mes amis, je m'excuse, hein. Mais normalement, vous devez tous sauter en l'air, là. Parce que si ça, ils auraient dévoilé à l'époque de la Gemara. Si ça, ils auraient dévoilé à l'époque de la Gemara. Ma chère serait déjà venue de très longtemps. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la Gemara, à l'époque de la Gemara, ils auraient pris ça au sérieux, les gars. Nous, on est des gros porcs, on prend rien au sérieux. Ce secret qui vaut des milliards. On peut devenir des tzadikim avec ça. Avec oeil. Avec oeil. Sincère. Sincère. Oeil. Des oeil de pourquoi je suis là et pas plus en haut. Oeil mon Dieu. Oeil mon Dieu. Dans le Tikkun HaKlali, à la prière, à la fin, il y a écrit plein de fois. Oeil, oeil. Un jour, j'ai vu quelqu'un à Ouman. Il lisait la prière du Tikkun HaKlali et quand il arrivait à Oï, il fait Oï, 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 oulala, je lui dis oulala, arrête, je t'en supplie, arrête, tu me la raseras. C'est ça ton Oï. Lis pas la prière, laisse tomber. Lis pas la prière. Ça se peut que tout le Tikkun HaKlali, c'est ce Oï là. Arrête tout. Ferme tes yeux, crie de fond du cœur. Oï, Oï, et là, vraiment. Il faut pas faire que ça aussi. Oui, mon frère. Mais ça commence par ça. C'est facile, ça. Bah oui, c'est simple. Quand t'as de l'argent facile, tu dis non, je préfère me briser, gagner plus d'argent, mais en me fatiguant, ou tu dis, vas-y, donne, frère, tout ce que t'as, tu me donnes. Alors voilà, ça, c'est un petit cadeau. Tu sais ce que c'est, ça? Ça, c'est un petit billet de 500. Imagine-toi, chaque oeil, c'est un petit billet de 500. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Alors voilà, alors tu vois comment tu parles. Ta neshama, elle a besoin de ce oeil. Quand, trace de shalom, on est dans un mauvais trip. Quand on est dans cette corde-là, où tu te sens Tarzan, t'as envie de faire le monde, tu fais oeil. Oeil! Tu cries le oeil pour sortir, pour te détacher de cette corde qui est impure. Et je te promets que tu ne pourras pas continuer à faire ce que tu fais. Ou alors, quand tu vas le faire, tu vas te dégoûter de toi. Ou alors, tu ne pourras pas faire l'œil. Tu peux pas, tu peux pas. Parce que tu es dans ton trip, là. Mais si tu te renforces en disant « Œil ! Œil, mon Dieu !» Un vrai œil, vous savez ce que c'est un vrai œil? Un vrai œil, ça se le sent. C'est pas le œil qu'on fait « Œil ! Œil !» C'est pas ça, hein. Le vrai œil, les gars, le vrai œil, ça transperce. Quand Rabbi Nathan, on l'a fait rentrer dans la prison, et qu'il y a des violeurs qui sont venus le violer à Rabbi Nathan. Et là, Rabbi Nathan, il s'est retourné et il a compris qu'il n'y a que Hachem. Il a tiré un œil. Un œil qui a fait faire trembler toute la prison. Le garde général est descendu. Il a dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce cri? J'ai jamais entendu un cri pareil. Et il a dit, vite, sors d'ici tout de suite. Et ça, c'était un juif. Et on ne fait pas des tovotes à un juif. Un juif, on le met dans la... Il lui a donné une prison toute seule. Il lui a donné une table et des chaises, des crayons. Il lui a dit, dis-moi la liste des livres que tu veux, je t'emmène. Mais ferme ta bouche. On lui a demandé. Ah, il a ressenti. On a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Nathan, il a dit, quand un homme écrit tous les jours à Hachem Itbarach, sa voix n'est plus pareille. C'est plus... Oh, Tilou, SOS,
Sauvez-moi! C'est pas ça! C'est du fond du cœur, c'est des tripes, c'est du oi, c'est pas toi qui crie, c'est la Neshama. C'est pour ça qu'il dit ça. Ça, c'est un ridouche de Reb Avraham Bereb Nachman. Il dit Reb Avraham Bereb Nachman, c'est pour ça qu'il a écrit ici. Normalement, il aurait pu dire ici, col! Une voix, Nachon. Pourquoi il écrit une buée? Belle question. Pourquoi une buée? Pourquoi il avait écrit col? Normalement, ça s'appelle une col, une voix, oi, Nachon. Pourquoi c'est un Evel? Parce que c'est pas la, la colle, c'est de la, du corps, et que la buée, c'est de la Neshama. Reb Avraham Bereb Nachman, il dit un chidouche. Un chidouche. Il dit, vous voulez savoir c'est quoi le oi sincère? Un vrai oi? Le vrai oi, c'est le premier soupir de Dieu qui t'a soufflé en toi. Quand tu fais le oi, c'est le même souffle que Dieu t'a soufflé. Là, tu utilises le même souffle de Dieu. C'est pour ça que ça te redonne une nouvelle vie dans la sainteté. Tu renais, dit Rabbi Abraham Ben Nachman. Parce que c'est ça, Evel. Parce que dans la Torah, il y a écrit qu'il y avait un souffle qui soufflait sous l'eau. C'est ce vent-là que tu es en train de respirer. Sur l'eau. Sur l'eau. C'est le Ruach. C'est quoi ce Ruach-là? Merachefet alpene amaim. Maim, c'est quoi? C'est les intestins. D'où il sort le cri? Des intestins. Qu'est-ce qu'il y a dans les intestins? De l'eau. Il y a tout ce que... Le Ruach Elohim, le souffle qui souffle au-dessus l'eau, il dirait, Avraham Bereb Nachman, c'est quoi? C'est le soupir, quand tu cries, qui sort du ventre. L'air au-dessus l'eau. Le Ruach Elohim, la première chose que Dieu a fait, quand il a vu l'homme, en fait, il dirait, Avraham Bereb Nachman, il ne l'a pas fait comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu Adam Arishon pour la première fois et qu'il était un pot de chair, il l'a attrapé et il a dit comme ça, oi! Et c'est comme ça qu'il s'est réveillé! Oui, mes amis! On peut se réveiller que par un oi! Oi vei! Oi li vei li! Comme un coup, en hébreu, on dit oi aussi. Oi vei! C'est la doucha, c'est de là que ça vient! C'est comme ça, c'est Kadosh, ce oi là, il est Kadosh! Il faut arrêter de dire aïe. Aïe, c'est très français. Arrêtez de dire aïe. Disez oi. C'est pas bien aïe. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas aïe. C'est oi. Il faut s'attacher au oi. Oi, vei. C'est des millimètres de jod, mes amis. Ne croyez pas. C'est le nom de Dieu. C'est le yud kevavke. On s'attache à la racine. Mais un soupir, c'est pas un cri. Un soupir, c'est pas un cri. Nahon. C'est pas un cri, Bémet. C'est un soupir qu'on parle. C'est pas un cri. Mais ce qui se passe, c'est que plus tu cries, plus il y a de l'air qui sort. Pas obligatoire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, c'est un vrai soupir. Donc quand c'est un vrai, ça doit être un truc sec, tu comprends? C'est un oi. Ça sort. Quand on peut plus. C'est mes amis. Oi. Voilà, je vais. Il faut pas que ça soit aussi énervant aussi. Parce que si t'es énervé, il faut pas que tu. Pas le forcer. Comment il s'appelle le cri? Maintenant, écoutez, mes amis. mes amis, c'est pas un cri d'énervement que t'es énervé avec le. C'est pas ça. C'est un cri qui descend encore plus loin. Tu le prends encore du cœur complètement. Ça va directement du cœur. Il sort du cœur directement au cerveau. C'est un cri, un son qui est très spécial. Des fois, il a pas de voix. Des fois, c'est. Oh. Des fois c'est. Il doit être propre. Ouais. À chacun. Vous savez. Mais dans la droite à faire, il ne faut pas même pas parler. Des fois il sort. Des fois, s'il est tellement puissant qu'il n'a pas de voix. Maintenant, mes amis, vous savez. C'est un niveau. Maintenant, mes amis, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ça serait sympathique. Je suis sûr que vous avez tous eu l'expérience d'être à côté de votre femme quand elle a accouché. À côté, je veux dire... Pas loin, quoi. Et que vous l'avez entendu. Hein? Comment elle... Elle hurle. Rabbi Shmuel Chapera, il l'a dit, quand un homme ne crie pas comme sa femme, elle accouche, c'est qu'il n'est pas sorti de l'auberge. C'est qu'il a encore rien compris, ce mec. Parce que si tu comprends pas que le Yetzer Hara il est là et qu'il est en train, pas de te mettre un couteau dans la gorge, il est en train de te couper la gorge. Il te la coupe déjà, ça coupe. C'est juste une question de quand.
Et il dit, tant que tu cries pas comme un chor à Omer la Tevar, comme une femme qui est en train de crier, en train... Elle crie, comment elle crie? Elle crie pas, comme si que c'était un poème. Oh, réveille-toi, on est en train de te couper ton corps, là. Crie ta race, fais sortir tes tripes de ton sœur, de ton pot. Rabbi Nachman, il parle de du fait hein. Quoi? Je peux dire juste une Il y a Rabbi Nachman, il a parlé. Rabbi Nathan dans l'Ikuta Halachot, il a parlé que le mikvé il est exceptionnel. Pourquoi? Parce que tu arrêtes de respirer. Tu arrêtes de respirer, tu es complètement total à Kadosh Baruch Hu, c'est un bitoul total, c'est une annulation. Là, tu fais tout l'air comme ça, il a quoi sur ça. Ouais. Ça va. Peut-être tu renouvelles. Même si c'est pas pour une raison. Que pour une raison qui est bonne. Malheur à l'homme. C'est pas comme ça. Non. Mais maintenant, tu sais quoi? Ce qui est grave maintenant, par exemple, c'est quoi? Quand des fois on soupire pour une chose qui est une tava. On fait pas attention, hein. Ça sort tout seul des fois. Par exemple, tu vois une bagnole exceptionnelle. Tu vois une montre exceptionnelle. Cette montre, t'as envie de cette montre, ça fait des années. Et t'as un mec, voilà, c'est ton copain, et voilà, il a une montre comme ça. Tu regardes ta montre, tu fais comme ça. J'ai envie d'avoir la même. Oui, mais ne fais pas comme ça. Aïe, aïe, aïe. Parce que là, qu'est-ce que t'as fait? Là, t'as brisé ton corps. Et là, t'es rentré dans l'otar mode. Là, t'as fait l'otar mode. Et tu lui as mis un œil de poisson. Ouais. Et d'un coup, ça monte. Clac, clac, clac. Il a tué sa femme et ses enfants. Mes amis, c'est pour ça. Par contre, quand tu vas au Kotel. Et tu vois un juif qui prie, ouais, qui va. Pleure et qui se balance et qui parle à Hachem. Et tu fais comme ça. Oh, qu'est-ce que je voudrais? C'est quand tu prierais comme ça, moi? C'est quand? C'est bon, ça. Alors là, mon frère, là, tu es dans le bon chemin. Là, tu t'es attaché à la bonne corde. Et là, tu verras si tu essaies, tu prieras comme lui. Si tu fais une étude et. Ouais, tu prieras comme lui. Au milieu de l'étude, tu te rends compte qu'il reste pas mal de pages et que tu fais. Ça, Rabbeinu, il a dit qu'à Kadosh Baruch Hu, il adore. On avait dit dans le Tikkun Ezohar. Vraiment? Ouais. Chez Max. Ça, exact. Ça, Rabbeinu, il adore, il a dit. Quand t'es parce que c'est quelque chose de bien. C'est parce que c'est. Tu veux le faire, tu sais. C'est. Voilà. Et que tu continues. À Kadosh Baruch Hu, il dit de ça, il y a des chachouim de l'île dans le monde. Ouais, mais si tu fais ça, c'est que t'as pas envie de le faire. Oui, mais tu le fais quand même pour Dieu. Tu te forces. Parce que moi, tu fais. C'est très bon. Hachem, il adore ça. Hachem, il prend ça, il te le garde pour toi après dans le futur. C'est des cadeaux exceptionnels, ça. Ça marche. Mais laisse tomber, il parle pas, il veut pas aller en fait. Quand je suis pas frère, il faut mon passeport. Ça marche. J'ai pris le passeport. Ça va faire. À l'aéroport, il faut prendre une heure, ça coûte 400. Ouais, mais c'est vrai que vous voulez pas avoir. C'est pas le vrai passeport, j'ai fait 10 fois. Je te dis, frère, je l'ai fait 15 fois. Là aussi. Il faut le vrai passeport. 135, c'est Khotaran. C'est quoi? Demain, je fais mon passeport. Blinader. Dans le téléphone. Blinader. Demain, je vais voir la cuisine. Blinader. Allô, on te parle. Dis Blinader. J'ai dans le téléphone. 135 Bechavot, c'est pas pareil. Lui, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. J'ai envie d'aller à Attends, je vais prendre celle que t'as envoyé parce qu'ils veulent voir ça. 135 Tirat Aran. On va lire dedans Bezrat Hashem. Bechavot. Il parla avec un homme qui était très éloigné de Dieu, béni soit-il. Il lui déclara qu'il prenne pour habitude de soupirer sur ce qui le préoccupait. Pour habitude. Ça doit devenir une habitude, mes amis. C'est pas maintenant un ordonnement. Il faut que ça devienne une habitude. Il faut que quand on te voit, on dit « Ah ouais, c'est lui qui fait « Oh, il a !» Eh ben, c'est très bien si c'est comme ça. Mais maître, mes amis, c'est faut que ça devienne une habitude. Chaque bonne chose... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Attends, mais t'es pas obligé de faire avec le cri. Non, on parle que des bonnes choses. Non, mais les trucs qui nous préoccupent. Préoccupe de tes tavotes et tu veux t'en sortir. Ou quand tu vois quelque chose que tu veux faire, t'arrives pas à le faire. On parle pas du se mentir, Razvé Shalom. Te préoccupe dans la voie d'attachem, on parle là. Comment il dit ici dans l'autre, Jérém? Notre maître eut une conversation avec un homme qui était très éloigné de Dieu. Il lui conseilla de s'habituer à soupirer et geindre sur son sort. Ah, c'est beau ça. Geindre, gémir. Geindre sur son sort.
tu vois, c'est meilleur ça. Ok, continue. Dans le celui-là, dans celui-là. Dans celui-là. Ouais, je veux quand même voir. Il dispensa alors. Jean, c'est comme ça. Pas s'apitoyer, ça veut dire. Non, pas s'apitoyer. Ouais, ouais. Ce gendre, c'est se lamenter, mais positif. C'est se lamenter positivement, ouais, sans voix. C'est comme ça. Ouais. Pas oi. Ouais. Ça, c'est gendre. C'est ce qu'il dit ici, Naron. Il dispensa alors l'enseignement. Il existe une buée qui est réalisée sur la terre, etc. Donc, l'Ikuté Moran, Torah 109. Voilà. Dans lequel il y est apporté que grâce au soupir que l'on pousse pour revenir à lui, béni soit-il. Tu vois, c'est écrit Mefourash. On se sépare de la corde de l'impureté et on s'attache à la corde de la sainteté. De même, il dispensa par la suite bien d'autres enseignements portant sur le soupir qui est très précieux. Donc la Torah 22, Torah 56, Torah 4 et Torah 9, non ? Oui ? Ou 22, 4 et 56, 9 ? 8, 22, 5, 56, 9. Vous savez, on parle alors du soupir. C'est un bon loto, ça ? Ah, ça c'est le loto vraiment à l'envers du oi. Pourquoi j'ai pas gagné le loto? Ça veut dire le mec. Ils sont correspondantes quoi. Y a pas de. Ouais. Non, je crois que c'était par rapport au là. Sur... Mes amis, si on vous pose la question, qu'est-ce que vous avez appris Ah, réponds oi. Oi. Oh. Non, mais vous allez sauter, vous allez dire, purée, on a. Non, c'est la découverte du siècle, vous allez dire, ouais, on est allé étudier mardi, ouais, c'était sympathique, vas-y, allez, bye. Non, faut essayer de l'appliquer, enfin, ouais, c'est même pas essayer. Mes amis, l'appliquer. C'est le conseil, à qui il a dit ça ouais. Au rachat, un rachat, un homme alors, qui n'arrive pas. Rachat, il est devenu quoi alors? T'as pas raconté la. Non, mais. On s'en fout, parce que c'est nous. Non. C'est le conseil, il faut le prendre pour toi. Mais si on le fait pas comme une femme qui accouche, alors c'est. Ah, là, c'est le Yitzhara de l'extrémiste, ça. Ça, c'est ou tout rien, le mec. Ça, c'est le Yetzera Mahmir, ça s'appelle. Non, mais... Ça s'appelle... Le... Voilà. Ouais, faut pas attendre de te faire violer comme... Écoute-moi bien, Yoni. Yoni, si le rachat, il attendait de crier comme le truc, oui, il serait pas sorti de l'auberge. Rabbeinu lui a dit juste, soupir, mon frère, c'est tout. Ne rentre pas dans les histoires. Soupir. Rabbi Nathan, il a dit une parole exceptionnelle dans les microfas à son fils Rabbi Yitzhak. Il dit, je suis allé à Brody. Brody, c'est là où la ville des grands tzadikim, des grands talmidei chachamim, où là-bas, c'était tous des bombes atomiques. Il a dit, j'étais là-bas et j'ai revu ma famille, parce que Rabbi Nathan, il avait beaucoup de famille à Brody. Et il a dit, j'ai vu mes cousins, j'ai vu mes frères, j'ai vu mes oncles, tous des bombes atomiques dans la Torah. Et ils m'ont tous regardé d'un œil, le Breslev, pendant qu'eux, ils avaient terminé le chasse, Rosh Yeshiva, de je ne sais pas quoi, etc. Et on s'est tous assis comme ça, et ils étaient tous en train de parler de quoi ils ont appris pendant des années. Alors son frère, il lui a dit, moi pendant des années, j'ai terminé 5 pages de Gemara. Ça fait 15 ans que je suis dans 5 pages de Gemara. Pendant 15 ans, il a étudié 5 pages de Gemara. Vous imaginez, mon frère? Quelle décortication. Il le connaît par cœur, mais quand je te dis par cœur, il peut te dire où il est le lamette, combien il y a de rech dans la page, combien il y a de zaïn dans le truc, il peut tout te dire. 15 ans, 5 pages. Hein, il disait, moi un tosfot, je suis resté un an pendant sur un tosfot. Un an sur un Tosfot. Rabbi Nathan était assis à la fin, presque au coin, je crois, après. Et il a dit, moi, Rabbeinu, il m'a donné un sédérium. Depuis que j'ai connu Rabbeinu, jusqu'à aujourd'hui, j'ai terminé 52 fois le chasse Mishnah. J'ai terminé 117 fois le chasse en entier, Bavli, Yerushalmi. J'ai terminé le Shulchan... C'est le que tu donnes ? Ouais. Ah. Il a dit, j'ai terminé le Shulchan Aruch en long et en large. Cinq daf de tous les jours avec tous les mefarshim. Il a dit, j'ai tous les jours dansé. J'ai tous les jours, j'étais content sur chaque mot que j'ai fait, que j'ai dit. Je me contentais pendant une heure par jour que je suis un juif. Et là, il a commencé à dire, et j'ai enseigné de la Torah. Et j'ai fait, tous les jours, j'ai fait teshuvah comme si c'était la première fois de ma vie. Tous les jours, c'était la première fois de ma vie que j'ai mis mes téfilines. J'ai prié la tefila de Shacharit. J'étais content de mon sort. Ils étaient là tout bêtes comme ça. Deux stosot, en fait, deux. Et là, il dit à son fils, Rabbi Yitzhak, Rabbeinu nous a appris que quand tu mets la quantité, pas de la qualité, quand tu mets de la quantité dans la Torah, à l'époque, c'était de la qualité. Aujourd'hui, on a besoin de la quantité. Quand ta bouche, elle dit beaucoup de Torah, beaucoup de
Ribono shel olam, ribono shel olam, ribono shel olam, ribono shel olam. T'arrives pas à parler dans l'hitbo des doutes? Dis ribono shel olam, ribono shel olam, ribono. T'arrives pas à dire ribono shel olam? Fais oi, 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 oi. Et tu commences, et tu refais, et tu recommences. Et après tu refais ribono shel olam, ribono shel olam. Frère, tu rentres dans un transe. Le Yetzerara, tu le tues, petit à petit. Mmh. Tu peux sortir d'une heure d'hitbo des doutes. Plus Yetzerara. Plus rien. Vous y croyez pas à ce que je vous dis, hein? Non, vous y croyez pas. Vous y croyez pas? Vous y croyez pas? Vous y croyez pas? Y a plus d'Yetzerara. Plus Yetzerara. Mais pendant combien de temps? Fini, finito. Finito la comédia. Tu restes une heure d'hitbo des doutes. Il y a une possibilité qu'en une heure d'hitbo des doutes, tu prends ton Yetzerara et pas tu l'écrases. Tu fais la shrita. Pas tu le shrita, y a plus rien. Tu lui exploses son nez avec ses dents, avec ses yeux, y a plus rien. Comment? Avec une intensité d'attachement à Hachem, en faisant l'imbécile en plus. Pas en disant des poèmes et des trucs. Oh Dieu, mais maître du monde, Seigneur, oh, je ne dis pas quoi. Non, non, non. Non, du ribono shel olam, tu rentres dans un vrai transe. Dans un vrai transe, tu attaches ta neshama à Kadosh Baruch Hu, tu dis Hachem, je ne veux plus rien que toi. Je ne veux plus que toi. Enot Milvado, je ne veux plus rien. Plus rien, plus rien. Même moi, je me veux pas, ni ma femme, ni mes enfants, ni rien. Je veux que toi, ribono shel olam, ribono shel olam. Tu rentres dans un... Aïe, aïe, tu commences à faire... Frère, tu rentres, c'est des coups de missiles. C'est des RPG, c'est des tanks de je ne sais pas quoi. Tu envoies des missiles que tu peux même pas t'imaginer. Le Yetzer arrive, tu fais, oulala, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, oh là là. Et je ne plus rien. Mais vous y croyez pas, vous y croyez pas. J'espère qu'un jour, vous allez y croire. J'espère qu'un jour, vous allez y croire. Ça, c'est le Emet Lamito. Ça, c'est le Emet Lamito, les gars. Je m'excuse, mais j'entends des rabbanim qui parlent, soi-disant, aujourd'hui. Ouais, il faut se renforcer. C'est très grave. L'Iran est devant nous. Il y a des guerres. Alors, je dis, ok, c'est bien. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Baruch HaShem. Oh, ils nous réveillent. Dans quoi il faut se renforcer? Il faut... plus étudier de Gemara, il faut encore plus. Attendez. Il y a deux guerres, vous nous avez dit la même chose. Il y a trois guerres avant, vous nous avez dit la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Ça fait des millénaires. Mais vous n'avez pas compris qu'on n'est pas là. La Torah qu'on étudie est remplie de gava, est remplie d'impureté, remplie de tavot et des pensées de je ne sais pas quoi. Mais quand on étudie ces choses-là, ça nous rend encore plus des gavtanim, encore plus des rechaim. Zahana selo samchaim, lo zahana selo samavet. Ça devient un poison pour nous, ça. Fermez le livre. S'il y a vraiment des gars qu'il faut se renforcer, courez chez Hachem, allez faire hitbo des doutes, trempez-vous dans le migvé, faites tikkun haklali, criez 70 cris par jour. Ça, oui. Pourquoi ils disent pas ça? Et frappez des mains, parce que c'est répété. Et frappez des mains. Chantez, dansez. Pourquoi ils nous disent pas ça? Hey, c'est sympa. Mais pourquoi? Mais ils croient vraiment que en disant ces choses-là, ils vont nous rapprocher. Mais ça m'éloigne, moi, quand on dit ces choses-là. La rasera que c'est. Mais c'est quoi ça? C'est ça ta teshuva? C'est ça. Ces études-là, c'était pour des tzadikim à l'époque. À l'époque, les tzadikim, quand ils disaient Arba, Avot, Ezekim, Achar, Abor, Amavé, Vaever, ils faisaient teshuva. Moi aujourd'hui, quand je vois ça, je suis, j'ai une sueur froide, je me dis oh là 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 là. J'ai besoin de Tehilim, l'écouter de Philot, qui vrote Sadikim, des soupirs, des frappements des mains, des jugements de bon, du bon côté, de l'amour avec mon ami. J'ai besoin de ça, c'est ça le renforcement. C'est ça qui va enlever Iran, Iran. Les gens ils savent pas, mais on a une guerre contre l'Iran. Vous savez ce que c'est l'Iran, mes amis? Iran, Iran. En hébreu, quand on veut dire quelque chose de négatif, on dit i. Irréaliste. I efchar. Iran, ça veut dire i Rabbi Nachman. Il y a l'Iran parce qu'il n'y a pas Rabbeinu dans le monde. On ne veut pas recevoir Rabbeinu. Iran, Rabbi Nachman. Il y a la Syrie. C'est quoi la Syrie? Syrie. Souria. C'est quoi Souria? Sourd. Sourd, s'éloigner, il y a de Dieu. On ne fait pas une paix des doutes.
pourquoi alors Hachem il a créé, il a fait ces pays-là? C'est pas la question qu'il faut poser, mon frère. Pourquoi? Parce que si tu dis pourquoi, tu dis pourquoi surtout. Il n'y a pas pourquoi. Ouais, mais s'ils sont aussi à ces pays, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. La raison, c'est pour que tu fasses une bonne doute. Tout ce qui se passe, c'est pour que toi, tu sens que tu fasses une bonne doute. Tu lèves tes yeux au ciel, tu dis maître du monde, je ne sais rien du tout. Je suis un zéro, je ne fais pas ce que tu me demandes, mais je suis ton fils et je t'aime. Et un jour, je serai ton préféré. Si tu fais ça, mon frère, tu es le roi du monde. Des tzadikim qu'ils ont étudié pendant toute leur vie, ils peuvent pas s'asseoir à côté de toi. Ils peuvent pas, tellement t'es grand. Eh oui, mon frère. Mais vous y croyez pas dans ce que je vous dis. Vous êtes des blides. Vous êtes des blides. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je sors mes tripes? J'en peux plus, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre, j'ai vraiment mal au ventre. C'est comme ça, mal à ça, c'est un problème. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'espère que un jour, oui, on pourra vraiment réellement apprécier et agrandir et chérir, comprendre c'est quoi la grandeur d'un soupir. Parce que, mais mec, qu'il n'y a pas beaucoup de gens, même des gens engagés dans la Chassidut de Breslev, qui comprennent l'importance du soupir. D'après, par rapport à ce qu'il dit Rabbeinoula. Vous imaginez qu'il y a 8 torotes sur un soupir. Attends, dans le Tikkun HaKlali, il y a 2 torotes dans l'Ikoutei Moran. Le Tikkun HaKlali, c'est 2 torotes. Là, il y a 8 torotes. Mais attends, vous comprenez de quoi on parle? 8 torotes. C'est la création ou quoi? Eh oui, eh oui. Il y a 8 torotes et tu nous dis que ça. C'est normal qu'il y a beaucoup à parler de rejoindre. Ah là, on veut plus, là. T'allumes et après tu te casses. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Ah, mais c'est bon, en plus. C'est ça, les vrais Breslev. Ils allument, ils se cassent. Faites votre vie après, chacun. Votre épouse, c'est personnel. On est là juste pour s'entretenir, Bezrat Hashem, que Dieu Akadosh Baruch Hu nous donne des maîtres, il nous ouvre l'esprit pour qu'on puisse comprendre combien c'est important de faire de soupirer pour quelque chose de bien et combien c'est grave de soupirer pour quelque chose de mal. Quand on soupire pour quelque chose de bien, grâce à ça on tue notre bestialité et on s'attache au corps pur. Ça nous facilite la chose. Akadosh Baruch Hu nous donne la puissance de pouvoir croire, parce qu'au moment où on va y croire, on va l'appliquer. C'est juste une histoire d'Emouna, Bezrat Hashem. Tout est exceptionnel, c'est une journée de fou.